Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Eh ben, on est ravis tous les deux de vous retrouver ce soir en direct. Jean-Baptiste, je voulais te dire un grand merci bah, déjà d'être là et puis d'avoir animé, c'était je crois le tournage en juillet dernier et le lancement début septembre, un cours sur le dessin réaliste. Absolument magnifique. On voit, Alban, tu nous feras signe si on ne voit pas, mais on voit quelques extraits derrière moi. Du dessin que tu avais Exactement. réalisé en direct. Et l'idée, c'est un peu de vous faire découvrir ce cours. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà suivi, qu'il y en a d'autres qui se disaient, est-ce que j'ose me lancer? Est-ce que je suis capable de faire du dessin réaliste? Est-ce que même c'est accessible à un débutant? Et Bien tu sûr. nous le diras. De quoi on va parler ce soir? Je ne sais pas, je me Excellente demande. question, excellente question. Ben merci, merci Anne-Sara. Bonsoir à tous. Et bienvenue donc dans cette masterclass dédiée au dessin réaliste avec un focus particulier sur le regard. Alors, merci à tous de passer votre soirée du jeudi avec nous. Je suis personnellement ravi de passer un petit moment avec vous et donc d'échanger, puisque c'est vraiment le principe de la classe d'aujourd'hui. On va donc passer un moment ensemble à étudier certains points assez en détail sur comment est-ce qu'on peut dessiner, capter le regard, capter les émotions. On va regarder un petit peu plus quelles sont les différences entre les hommes, les femmes, les différents groupes d'âge. Et puis surtout, ce qu'on a envie, c'est que cette session, ce soit la vôtre. Donc, c'est-à-dire qu'on est là pour répondre à vos questions, essayer de, voilà, si vous avez des sujets particuliers qui vous tiennent à cœur, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est vraiment là. Je suis vraiment là pour essayer d'y répondre autant que possible. Donc vraiment, c'est un vrai plaisir d'être là ici ce soir. Exactement, tu as tout dit parce que c'est vrai que l'idée c'est que ce soit interactif, que vous l'avez vu pour les autres masterclass dessin et même en couture, vous l'avez un peu fait la dernière fois pour les chaussettes, c'est-à-dire que tu vas nous montrer beaucoup de choses. Entraînez-vous devant l'écran au fur et à mesure avec Jean-Baptiste et envoyez-nous sur l'adresse contact@artesane.com. Des petites photos avec votre portable, comme ça permettra à Jean-Baptiste de répondre aux questions que vous vous posez sur l'avancement de vos dessins, de voir un peu comment vous vous débrouillez. Donc régulièrement, une fois qu'on sera un peu plus avancé dans le cours, on fera des points sur ce que vous nous envoyez sur l'adresse contact@artesane.com. Et je vois que vous êtes déjà très nombreux, donc merci beaucoup d'être fidèle au poste. Ce que je te propose, je crois que tu avais prévu d'introduire Oui, après le sujet. ouais, Après, bien on sûr. verra un petit extrait de ton cours. Mais on commence tout de suite. Alban, je sais que tu es prêt par la bande-annonce. Là, je ne vous l'avais pas, mais moi, j'entends Alban murmurer un petit nom Ah, bon. et qui nous dit maintenant c'est bon, donc on y va. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Vincent, votre professeur de dessin chez Artesane. Dans ce nouveau cours, je vais vous apprendre à dessiner un portrait réaliste au crayon. Je vais vous expliquer les proportions et les ombres et lumières. Nous verrons ensemble toutes les étapes pour construire votre portrait de A à Z. Je vous proposerai tout au long du cours des exercices pour pratiquer vos nouvelles compétences. Ce nouveau cours est accessible en illimité, quand vous voulez et où vous voulez. À vos portraits et on se retrouve très bientôt sur artesane.com. Retour. Donc, cette bande-annonce, ça parlait plus généralement du dessin réaliste, donc tu as fait tout le visage. Pourquoi on s'intéresse au regard ce soir? Eh ben, super question. Donc, c'est vrai qu'on a tourné ce cours au mois de juillet et c'est vrai que c'est un cours qui ne dure que 2 heures, ce qui est à la fois beaucoup et à la fois très peu pour couvrir le visage, qui est la chose probablement la plus complexe, la plus aussi fascinante aussi à capter, arriver à dessiner. Donc, on a eu pas mal en fait de questions après le cours de personnes qui spécifiquement nous disaient comment est-ce qu'on peut arriver à vraiment à retranscrire un regard, que ce soit un regard masculin ou féminin, comment est-ce qu'on arrive à lui donner de la vie, comment est-ce qu'on peut sortir des dessins un petit peu plats pour faire en sorte que, voilà, que les gens voient un portrait et se disent waouh, c'est vraiment ressemblant. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on a choisi ce soir de se faire ce focus sur le regard. Il y a quelques sujets en particulier qu'on voulait aborder ce soir. Alors,
encore une fois, le programme est ouvert. On est super open si vous avez des suggestions ou des choses en particulier que vous voulez voir. Mais l'idée de ce qu'on vous propose, c'est de démarrer avec simplement un petit récap de, alors pas trop long, je vous rassure, de théorie sur voilà, qu'est-ce que c'est qu'un œil et comment est-ce qu'il est structuré, juste pour vraiment comprendre les éléments basiques. Ensuite, on va voir les différences entre les hommes et les femmes en termes de dessin des yeux. C'était philosophique. C'est philosophique. Et puis, on va regarder ensuite les différents âges. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à transcrire des différents âges entre les enfants et personnes âgées à travers le regard. On va ensuite s'attarder sur quelques émotions, donc pour rendre les visages vraiment expressifs. Comment est-ce que ça se retranscrit dans le regard, dans les yeux, dans les sourcils également. Et puis enfin, on finira la classe par ce qui est peut-être le plus difficile pour tous les gens qui s'essayent au portrait, c'est le profil, et surtout les trois quarts profil. C'est là où on a eu le plus de questions suite au cours, donc on va essayer de passer un petit peu de temps là-dessus. Alors, ce que je vous propose avant de démarrer, c'est peut-être juste un petit tour d'horizon du matériel que je vais utiliser ce soir. Et on a voulu garder la classe de manière la plus simple possible. Donc, en fait, pour ce soir, ce dont vous aurez besoin, tout et pour tout, c'est de 3 ou 4 crayons de papier. On va travailler au graphite ce soir. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec le dessin et l'illustration, évidemment, il y a une gamme de crayons de papier qui est assez importante. Mais on veut vraiment essayer de rester simple. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'abord un crayon qui est une mine relativement dure, donc un type 2H, par exemple, pour vraiment les esquisses, les brouillons, pour vraiment essayer les premiers traits. Une mine moyenne type B. Et puis ensuite, pour les ombres et les parties plus sombres, un crayon type 4B et un crayon type 8B qui sera vraiment pour les parties les plus foncées. Alors, on a une petite question. Je sais qu'elle revient aussi fréquemment dans d'autres cours. Est-ce que tu peux nous rappeler justement B, HB, les subtilités? Oui, bien sûr. Enfin, la logique du classement. Bien sûr. Alors, les mines de crayons et donc les crayons graphiques sont classés en fonction de leur dureté. Et donc, plus la mine est dure, plus le trait sera, le rendu sera subtil. Donc, plus le trait sera, moins on verra le trait. Donc, ce qui veut dire qu'en général, quand on démarre un dessin, qu'on fait un brouillon, on va prendre une mine très, très dure. Donc, dans les 2H, 3H, c'est vraiment les mines les plus dures. Donc, ensuite, on va descendant, donc 3H, 2H, puis H, HB. Et ensuite, quand on démarre la gamme des B, c'est là où les mines deviennent de plus en plus grasses, donc de plus en plus, colorants pigments. Et donc, du coup, c'est là où on obtient les teintes les plus foncées. Donc, on va de B, 2B, 4B, 8B. Il existe aussi des 10B là, qui sont vraiment très proches des teintes les plus foncées. On n'ira jamais jusqu'au noir avec le graphite. Il y a des crayons qui s'appellent des crayons pierre noire qui vous permettent d'avoir un rendu vraiment, vraiment noir comme on l'imagine. Mais pour ce soir, on va essayer de se limiter au graphite. Donc, c'est pour ça simplement avec ce que vous avez à la maison. Si vous avez même uniquement un ou deux crayons de papier différents, ça peut suffire. D'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. L'autre chose, simplement en termes d'équipement pour ce soir, ce que je vous propose, c'est juste en termes d'estompes. Les estompes, ce sont les outils qu'on va utiliser pour créer, pour étaler en fait le crayon de papier. Il y a plusieurs manières de le faire. Il n'y en a pas une bonne, une mauvaise. Chaque illustrateur a sa propre manière et ses propres préférences. Donc je vous encourage, si vous débutez en dessin, d'essayer, d'expérimenter, de voir, de vous faire plaisir, tenter des trucs. Et avec des choses relativement surprenantes. Donc, moi, je sais que personnellement, ce qui m'éclate d'utiliser, c'est en fait simplement des pinceaux à maquillage. Donc, j'ai acheté cela dans une boutique pour maquillage et je suis complètement fan parce que ça me permet, comme vous voyez, avec la différente taille de brosse, de faire soit étaler le crayon de manière très très subtile et très très douce, ou alors pour des parties un peu plus précises avec ces petites brosses ici, c'est vraiment génial pour avoir vraiment la précision. Mais il y a d'autres manières de faire des estompes. Alors, une autre manière aussi relativement peu conventionnelle, ce sont les cotons-tiges que j'adore utiliser pour les parties les plus sombres et les plus précises. Et encore une fois, comme c'est très fin, ça permet d'être très précis dans son geste. Ou alors, certains d'entre vous peut-être connaissent les tortillons qui sont en fait ni plus ni moins
que du papier buvard serré, extrêmement fort, et qui permettent, pareil, de faire des estompes. Vous pouvez également utiliser, je crois que c'était dans l'invitation du cours, des cotons à maquillage, si vous voulez, en séparant les deux parties, en utilisant la partie du milieu. Vraiment, je vous encourage à essayer, parce que ces estompes, en fait, vont aussi vous aider à trouver votre style d'illustration et votre style de dessin, donc n'hésitez pas. Oui, donc vous ne dites pas qu'il vous manque du matériel technique, parce que je pense que tout le monde a un crayon à papier et du coton à maquillage chez soi, même si je sais désormais que tu as plus de pinceaux à maquillage que je n'en ai jamais eu. C'est possible. D'accord. Donc je pense que vous êtes prêts sur le matériel, pense que vous êtes toujours avec nous. Voilà. On enchaîne. Donc on va enchaîner. La seule petite chose avant d'enchaîner, c'est ce que je vais vous demander pour ce soir, c'est soyez sûr que vos crayons soient taillés. Ah oui. Ça peut paraître basique, mais ça fait vraiment la différence, vous allez voir, en termes de précision et de rendu. Donc c'est la seule chose qui est importante pour ce soir. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que peut-être que juste qu'on démarre simplement avec un tout petit peu de théorie. Ouais. On est prêt. Hyper simple, je vous rassure, on ne va pas passer la soirée de jeudi à parler d'anatomie et des choses comme ça. Si les gens qui sont intéressés, on peut faire ça par ailleurs. Mais juste, je pensais que c'était important, avant de démarrer, de récapituler un certain nombre d'éléments de l'œil. Puisqu'en fait, c'est vrai, quand on regarde un portrait, on regarde une personne, l'œil paraît être quelque chose de très très compliqué. Alors qu'en fait, quand on le dessine, vous allez voir que finalement, ça se résume à des choses relativement simples. Donc, si on regarde tout simplement ce qu'est un œil, je pense que la caméra fonctionne au-dessus de moi. Bon, voilà. C'est tout simplement, on va avoir un globe oculaire, donc un globe oculaire qui est presque rond quand on le voit de face. On va avoir au-dessus de ce globe oculaire, on va avoir une paupière supérieure qui vient donc recouvrir le globe oculaire, et une paupière inférieure qui va recouvrir donc la partie inférieure du globe oculaire. Et c'est important de vraiment garder ça à l'esprit pendant tout le cours, parce que quand on va aborder les questions de valeur, les questions de colorisation et d'ombre, il faut toujours garder à l'esprit que quand on va dessiner un œil, on va dessiner une sphère. Et donc, ce qui veut dire que quand les parties de la sphère que vous voyez les plus proches de vous vont être les plus claires, en revanche, sur les côtés de la sphère, c'est là où les parties vont être les plus sombres. Donc, vraiment toujours garder ça en mémoire. Et puis donc à l'intérieur, on va avoir l'iris, donc cette partie, l'iris et la pupille qui sera la partie toujours la plus sombre, une petite partie ici, donc la partie lacrymale, cette petite partie rose qu'on a tous sur le coin de l'œil, et un point qui est important à noter quand on regarde et quand on réfléchit à la structure d'un œil, c'est que quand vous regardez un œil de face, vous allez toujours, presque toujours, voir l'épaisseur de la paupière. Et c'est quand on va parler de rendre un regard de manière très réaliste, ça va être très important de toujours avoir à l'esprit qu'on va voir ici en dessous, en bas, et au-dessus, ici, on va toujours voir un minimum de l'épaisseur de la paupière, et c'est ça qui va donner la profondeur à la paupière et qui va aussi aider à rendre le regard réaliste. Un mot rapidement sur l'œil vu de profil. Donc pareil, on a notre globe oculaire ici, donc relativement rond, et quand on schématise l'œil vu de profil avec donc nos paupières inférieures et supérieures, ce qui est important de noter, c'est que en fait l'œil n'est pas complètement plat, c'est-à-dire que vous avez une petite protubérance qui est la cornée, qui est donc la partie transparente, l'enveloppe transparente de notre œil, mais donc qui n'est pas dans l'alignement du reste du globe, qui ressort légèrement, et c'est important quand on va vouloir dessiner l'œil de profil. En revanche, l'iris et la pupille, elles sont à l'intérieur, et donc ce qui veut dire que quand on va dessiner l'œil de profil, on va donc avoir l'iris, la pupille relativement plate et certainement pas collée contre la cornée. Mais par contre, la cornée qui va légèrement ressortir, là je l'exagère un petit peu, mais qui va donc légèrement ressortir du globe oculaire. Voilà. Donc effectivement, on n'a pas la même... On se rend compte qu'il y a une aspérité quand on est de profil. Exactement, on voit pas du tout de face. Qui est quasiment insoupçonnable, mais qui est bien là.
Donc voilà, donc c'est important, je voulais juste passer quelques minutes là-dessus. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est montrer simplement une partie du cours réaliste qu'on a donc tourné en juillet, qui était à propos, donc spécifiquement sur les yeux. On a fait cette partie, on pensait que c'était important pour pouvoir montrer qu'il y avait, même si évidemment chaque œil, chaque personne, chaque regard est complètement différent, il existe des proportions qui sont quasiment universelles. Et c'est super quand on démarre le dessin de pouvoir avoir ces guides, ces références. C'est des repères très rassurants en fait quand on démarre. Très rassurant. Et vous allez voir qu'ils sont relativement faciles à mémoriser. Donc on a passé un petit peu de temps pendant le cours à essayer de montrer quels étaient ces différents repères. Donc je vous propose peut-être qu'on regarde cette séquence et puis qu'ensuite on enchaîne sur des dessins plus réalistes. Alban, t'es prêt? Eh ben oui, ça démarre. En dessin, très clairement, la partie la plus importante, selon moi, et la plus expressive, ce sont les yeux. C'est aussi, malheureusement, l'une des parties les plus compliquées à réaliser en général. Donc, c'est important qu'on prenne le temps de comprendre comment est-ce qu'on peut dessiner des yeux de manière relativement simple, étape par étape. Donc, ce que je vous propose, c'est donc de suivre la réalisation d'un œil en 5 étapes. En utilisant une grille que je vous propose de réaliser sur votre feuille de papier, donc de 4 cases dans le sens de la largeur et de 4 cases dans le sens de la hauteur. Donc choisissez la taille des carreaux que vous souhaitez avec lesquels vous êtes à l'aise. Et donc on va utiliser ça comme référence pour créer notre œil. Donc la première étape consiste à créer une ligne horizontale au milieu de notre grille. À gauche, on aura donc l'extrémité extérieure de l'œil et à droite, on aura l'intersection de la paupière supérieure et du globe oculaire. Donc on va commencer par tracer la paupière supérieure. Pour tracer la paupière supérieure, c'est en général un mouvement qui est assez fluide d'une courbe. En revanche, on va le décomposer pour vous donner des points de repère. Où en gros, on va prendre un point de repère ici sur la ligne du premier carreau, puis un autre point de repère ici sur la fin du troisième carreau. Et donc ce qu'on va faire, c'est que si c'est plus simple pour vous, commencez à tracer des lignes droites entre ces points, voilà, et faites redescendre la dernière n'est pas tout à fait au bout, faites redescendre le trait légèrement en dessous de votre ligne horizontale, et donc ça vous donne le mouvement général, et ensuite vous pouvez repasser si vous le souhaitez pour avoir un geste et un trait qui soit un petit peu plus fluide, et ça vous donnera donc la paupière supérieure. La deuxième étape consiste à tracer la paupière inférieure. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc tracer pareil une ligne qui part de la gauche, donc de ce point d'intersection à gauche jusqu'à ce point ici. On va le faire, il y a deux principaux traits. Le premier est une courbe qui est moins marquée que la paupière supérieure. Et le deuxième trait sera un trait quasiment horizontal, qui est la fin de votre œil ici, qui correspond à cette petite zone, vous savez, rose sur votre coin de l'œil, qui est en fait la fin du globe oculaire. Donc on va tracer cette petite trait ici, et ensuite on va tracer cette courbe en dessous. Voilà. On ne cherche pas ici à faire des traits très précis, c'est plutôt pour vous donner la forme générale de l'œil. Donc voilà, donc avec ces deux traits, vous avez donc la forme générale de l'œil. Vous pouvez ensuite tracer la partie supérieure de la paupière, donc en suivant la paupière supérieure que vous avez déjà tracée, avec simplement un peu plus d'espace ici que sur les côtés, étant donné la forme donc, et la profondeur du globe oculaire. La troisième étape consiste ensuite à tracer donc, la pupille et l'iris de l'œil. Pour ça, donc, on va tracer deux cercles. Le premier cercle qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, pour tracer l'iris, qui est d'environ un tiers de la largeur de votre grille. Donc si vous prenez un point de repère en la centrant, vous avez grosso modo ce diamètre-là. Vous allez tracer donc un cercle. Alors attention, ce qui est important quand vous tracez ce cercle, c'est que la paupière supérieure de votre œil va couvrir le haut du cercle. Donc vous ne devez pas avoir un cercle dont on voit la partie supérieure ici. En revanche, en bas, quand vous regardez de face, le cercle touche et arrive au point d'intersection avec la paupière inférieure. Ensuite, on va tracer donc un deuxième cercle à l'intérieur
qui sera donc l'intérieur de l'œil. Et pour point de repère, le bas du cercle correspond avec le point d'intersection de votre ligne ici. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce cercle, pour l'intérieur de ce cercle, vous pouvez le tracer, il n'y a pas de taille prédéfinie. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, quand vous regardez par exemple, si vous regardez dans un miroir, vous regardez dans un miroir, en fonction de l'intensité lumineuse, votre pupille sera plus ou moins dilatée. Donc il n'y a pas de taille absolument définie pour la pupille. Une taille moyenne, environ, on va dire que le diamètre de la pupille est d'environ un tiers de l'iris. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle très précise. Donc vous avez donc la forme de votre œil. La quatrième étape consiste à rajouter des ombres. Alors, pour les ombres, la première ombre, c'est l'ombre de la paupière supérieure sur le globe oculaire. Donc, c'est pour ça que la manière dont on dessine la paupière supérieure est en général assez épaisse pour à la fois comprendre cette zone d'ombre et à la fois à cause des sourcils, qui constituent cette zone. Donc, vous pouvez tracer un cercle relativement épais et même sur l'iris, vous pouvez également faire descendre un petit peu plus pour créer cet effet-là. La manière dont on va coloriser donc la pupille, c'est qu'en général, la pupille est plus sombre sur l'extérieur que sur l'intérieur de la pupille, ce qui crée cet effet de profondeur sur les dessins. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement, avec notre crayon, légèrement hachurer l'extérieur de notre pupille et ensuite avec un de nos outils, donc soit l'estompe, soit avec le tortillon, on va pouvoir commencer à créer cet effet de dégradé où donc l'extérieur de l'œil sera plus sombre que l'intérieur. Sachant que le haut de l'œil est en général plus foncé, plus sombre que le bas. Voilà. L'autre élément qu'on va dessiner à ce stade, ce sera la partie inférieure de la paupière inférieure. Donc on va suivre très légèrement le tracé de la paupière. Et une partie qui est assez importante à rajouter pour donner du réalisme à l'œil, c'est qu'il y a une sorte, quand vous regardez votre œil, sur la paupière inférieure, il y a une sorte de rebord qui est une zone en fait, qui est très fine et très claire, qui est en fait le rebord de la paupière inférieure, qui est important de marquer car elle permet de donner vraiment l'impression du volume de l'œil. Enfin, la dernière étape, la cinquième étape, ce sera de rajouter les détails. Donc les détails, par exemple les cils, à rajouter à la fin. Donc pour dessiner des cils, quand on démarre en dessin, on a tendance à vouloir faire des cils très droits. Il n'y a rien de moins naturel. Alors que quand on regarde des cils, en fait, ils ont plus une forme, une sorte de U entremêlée, avec une des branches du U étant beaucoup plus longue que l'autre. Et donc cette forme, en fait, permet, si vous l'appliquez à votre œil, à donner une forme beaucoup plus réaliste à votre œil. Donc retournez quand vous arrivez au milieu de l'œil, retournez la forme du U avec des pointes plus larges du côté extérieur. Et donc n'hésitez pas à donner des formes très irrégulières à vos cils, car encore une fois, si vous regardez votre œil, vous verrez qu'il n'y a pas de cils réguliers. Et pareil pour la paupière inférieure, rajoutez des cils qui sont par contre eux beaucoup plus fins et qui partent de bord de ce revers et qui descendent en dessous. Voilà. Il y a d'autres détails qui sont importants pour rendre le rendu réaliste d'un œil. C'est le highlight principal de l'œil. Si vous regardez un œil, chaque œil, en fonction de l'orientation de la lumière, aura un point qui apparaîtra complètement blanc, qui est simplement le reflet de la lumière sur l'œil, qu'en général on laisse complètement blanc. Et enfin, vous pouvez ensuite terminer le dessin de votre œil en construisant les valeurs et en rajoutant encore plus de nuances dans les valeurs, c'est-à-dire en assombrissant encore plus le côté de l'œil, puis le dégrader, avec encore une fois, plus on va être à l'extérieur de l'œil, plus on va être sombre,
également assombrir ici la pupille et enfin rajouter certains détails de forme de l'œil, par exemple, vous savez, ces motifs à l'intérieur, ainsi que vous pouvez, si vous voulez commencer à vous amuser un petit peu à votre dessin, rajouter certaines lignes qui donnent un petit peu plus de texture, qui vont donner un petit peu plus de texture à votre œil. Voilà. Ce que j'aime ensuite faire, c'est revenir à mes estompes pour atténuer tous ces traits et ensuite vous permettre de donner un rendu qui apparaît un peu plus naturel. Voilà, donc on pourrait passer des heures à dessiner un œil et à rajouter du détail, mais à ce niveau, j'espère que ces cinq étapes vous donnent une marche à suivre pour arriver à dessiner un œil réaliste. Eh ben, nous revoilà en plateau et je m'entends en écho. Je ne sais pas si c'est normal, Alban, mais je vais faire avec. J'en profite pour dire bonsoir à Séverine et lui dire « Séverine, on vous excuse pour votre retard, il n'y a aucun problème. » Et sinon, je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Je ne sais pas si toi aussi tu as un écho ou pas. Non, ça va mieux. Il y avait aussi la double image juste derrière nous. C'est réglé. Merci, Alban. Eh bien, on peut y aller. Donc voilà, donc eh ben, allons-y. Donc, j'espère que ces quelques minutes vous ont permis de vous entraîner à voir les différentes proportions de l'œil. Donc l'œil qu'on a dessiné ici était neutre. Donc c'est un œil qu'on pourrait très bien imaginer pour un homme ou une femme. Mais ça vous donne donc les quelques proportions importantes à garder en tête, non seulement quand vous allez faire votre esquisse, mais aussi quand vous allez commencer à dessiner un portrait, etc. Ça vous permet aussi de vous donner des points de repère et pour vérifier le réalisme d'un œil. Parfois, quand on dessine, on commence à dessiner, on a l'impression d'avoir les proportions correctes, et ensuite on se rend compte au fil de l'eau qu'il y a un truc qui cloche, que ça n'a pas l'air vraiment naturel, et donc ces quelques repères peuvent également vous aider. Ne les prenez pas au pied de la lettre, encore une fois, chaque regard est différent, mais c'est un point de repère. Donc ce que je vous propose donc dans la prochaine partie de cette classe, donc c'est de faire un petit zoom sur les différences très rapidement en termes de dessin entre les yeux des femmes et les yeux des hommes. Encore une fois, pas de généralité, mais c'est simplement pour vous donner quelques repères qui vont vous permettre de vous guider quand vous allez vouloir dessiner des personnages. Alors je ne sais pas si on voit mon écran. Alban, enlève la main pour nous confirmer. Est-ce que on comprendra. Alban, on va le voir. On va D'accord. le voir, nous dit Super. Alban. Donc vous allez donc, bientôt voir l'écran de. Voilà. De donc on, et puis donc on, bah, simplement pour en introduction. Donc c'est vrai que si on, intuitivement on voit qu'il y a en général des différences entre des yeux des femmes et des hommes. Quand on va dessiner des yeux de femmes, on va avoir des traits beaucoup plus courbes, une ligne beaucoup plus en général beaucoup plus fine, moins marquée. Surtout quand il s'agit donc du contour de la paupière. Donc on voit des exemples derrière nous, des exemples superbes. Donc quand vous regardez le tracé de la paupière supérieure et inférieure d'ailleurs en général, ce sont des lignes très très fluides, avec une ouverture des yeux en général un peu plus grande que pour les hommes. Des cils qui sont en général beaucoup plus marqués que ceux des hommes, surtout sur la paupière supérieure. Donc ça, surtout, pas seulement d'ailleurs quand on veut dessiner des femmes avec du maquillage, même des femmes au naturel, on a tendance en général à accentuer sur les cils. Et puis les sourcils, qui sont en général, encore une fois, plus fins et un peu plus hauts que ceux des hommes. C'est que de la généralisation, je ne cherche pas à caricaturer, mais c'est simplement pour donner quelques points de repère quand vous allez vraiment vouloir les dessiner. Côté des hommes, donc c'est vrai que en général, quand on les dessine un peu moins ouverts, un peu moins larges, avec des traits, surtout quand on va dessiner la paupière supérieure, et donc ces trois lignes dont on a parlé dans la vidéo, elle est un peu plus marquée, avec donc des traits, des angles un peu plus marqués, que ce soit donc sur la paupière supérieure et la paupière inférieure, en général une ligne qui est un peu plus horizontale. Avec aussi des sourcils un peu plus marqués.
Donc, ce que je vous propose avec ces quelques repères en tête, c'est donc on va simplement reprendre là où on a laissé la vidéo, et puis on va ensemble créer notre premier, dessiner notre premier œil, à la fois le féminin et le masculin. Donc, j'ai en fait simplement ici sur ma feuille, donc j'ai simplement fait la première esquisse, donc en retrouvant les repères qu'on a utilisé pendant notre cours, donc avec notre grille en 4x4. J'essaierai au maximum pendant la classe de garder ce repère pour que tout le monde puisse se repérer. Et donc, on va commencer donc à essayer d'avoir ce rendu réaliste du regard. Alors, il y a une règle de base quand on commence, donc quand on passe du croquis la notion de valeur, c'est-à-dire la notion de vouloir commencer à vouloir rendre les volumes avec du coloriage, pour simplifier, c'est de commencer toujours avec des teintes très, très, très claires et de construire ces valeurs, c'est-à-dire de graduellement, petit à petit, aller vers d'utiliser des crayons qui sont un peu plus gras, mais vraiment d'y aller très graduellement. C'est vrai que ce qui permet beaucoup de choses, la première, c'est de doser, puisqu'en fait, tout l'intérêt du réalisme, c'est justement de doser certaines valeurs les unes par rapport aux autres sur un regard, mais aussi d'éviter des erreurs. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte assez tôt que vous avez une partie trop foncée, c'est très compliqué de le rectifier en cours de route. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va. Je vous propose donc de commencer par les yeux, l'œil de la femme. On va prendre le crayon 2H, donc le crayon le plus clair, ou le crayon le plus clair que vous avez, et on va commencer à coloriser. Alors, juste avant de coloriser, si vous le pouvez, essayez de commencer à gommer les marques du quadrillage, au moins autour de l'œil, et au moins les principales. Voilà, donc surtout ne paniquez pas, parce que cette masterclass en plus, on vous la laissera en disponible, donc vous pourrez reprendre l'exercice de l'œil, revoir les 9 minutes qu'on a vues. Exactement. Mais tu te bases, comme tu expliquais, sur un quadrillage, donc pas de panique. Le quadrillage, et donc comme je l'expliquais un petit peu avant, c'est vrai que sur donc l'œil de la femme, on a encore une fois une courbe très 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 régulière, alors que ici, quand on regarde le tracé de l'homme, c'est plus abrupt, les angles sont plus marqués, ce qui vous permet de donner un air un petit peu plus masculin au regard. Donc, on va commencer avec nos valeurs, et donc ce qu'on va commencer à faire, c'est donc appliquer de manière relativement soft le crayon. Alors, la manière dont je tiens mon crayon, donc c'est encore une fois très, très personnel. Oui. Mais quand il s'agit d'appliquer des valeurs, et notamment d'essayer d'appliquer des valeurs de manière régulière, c'est-à-dire éviter les hachures, je tiens mon crayon en fait au lieu de le tenir comme un crayon quand on écrit ou on trace. En fait, je le tiens entre le pouce et l'index, en essayant au maximum de colorier avec non pas la pointe, mais avec le côté, ce qui me permet d'avoir un rendu. Vous essayez d'avoir un rendu qui est le plus fluide possible. J'ai l'impression que tu es presque parallèle. Voilà, exactement. C'est l'objectif, parce que plus on sera parallèle et moins on verra les marques du crayon. Donc, on commence simplement. C'est simplement une idée de commencer à rendre les premiers volumes. Donc, on commence par les paupières, la paupière supérieure. Ensuite, on va commencer à les valeurs à l'intérieur donc de l'iris. Encore une fois, de manière extrêmement, extrêmement soft. Voilà. Ensuite, on va faire également l'intérieur. Alors, comme on l'expliquait tout à l'heure, le globe oculaire étant une sphère, donc vous allez voir que les côtés donc de la sphère sont les parties les plus foncées. Donc, on va commencer à foncer les côtés du globe oculaire. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. J'espère que oui. On va également légèrement commencer à foncer le bas du globe oculaire, puisque encore une fois la sphère est donc plus foncée sur les côtés, mais aussi sur le dessus et le dessous, et la partie supérieure ici du globe oculaire. Donc vous allez voir que en général les parties qu'on laisse plutôt en blanc sont plutôt le centre du globe oculaire ici, le haut de la paupière, avec donc en imaginant que ici la lumière, donc qu'elle soit une lumière naturelle ou non, arrive au dessus, et que donc la partie supérieure de la paupière ici est relativement claire. On va aussi commencer à légèrement teinter le dessous
de la paupière inférieure. Voilà. Ainsi que, on va très légèrement commencer à teinter la partie qui est au-dessus de la paupière supérieure. Ici. Et à ce stade, en général, c'est là où je commence à utiliser mes estompes. Donc, vous pouvez utiliser donc ça soit coton maquillage, soit les pinceaux, pour simplement harmoniser et vraiment commencer à étaler de manière très subtile le crayon. Voilà, non seulement l'iris. À ce stade, vraiment harmoniser sur tout l'iris et la pupille, parce qu'on fera la différence entre les deux un peu plus tard. Également sur les côtés du globe oculaire. Voilà. Et vous allez voir que si vous avez donc tracé les traits de manière relativement fine, à ce stade, il se peut qu'il y ait certaines parties de votre dessin qui disparaissent un petit peu. C'est tout à fait normal. Vous ne vous inquiétez pas. On va les recréer, sachant que l'idée est qu'à la fin, toutes les parties soient des valeurs et donc que les traits disparaissent. C'est incroyable. Ça prend déjà forme. Voilà. Donc, on va ensuite passer au crayon B. Donc, le crayon B, on va accentuer les parties qui seront donc les parties un peu plus sombres. Donc ici, sur le coin de la paupière supérieure. Également, l'autre partie ici, donc l'autre côté, sur le côté extérieur. On va également appliquer sur l'extérieur de la paupière ici. Ensuite, il y a une partie, quand vous allez regarder, quand vous allez voir un œil, une partie qui est vraiment une des parties les plus ombrées de l'œil, et la partie qui se trouve en fait juste en dessous de la paupière supérieure, parce que la paupière supérieure ayant une certaine largeur, en fait l'ombre qui est créée par la paupière supérieure vient directement sur l'œil, et donc c'est une des parties qu'il ne faut pas hésiter à assombrir. Voilà. Ici. Et puis ensuite, on va commencer à ombrer à l'intérieur de l'iris. Donc, quand vous observez une iris, alors évidemment, ça dépend de la couleur des yeux, mais ici, on va plutôt prendre l'idée de prendre des yeux plutôt clairs, ce qui va nous permettre de montrer en fait les dégradés de couleur à l'intérieur de l'iris. Mmh. En général, les yeux sont beaucoup plus sombres sur l'extérieur de l'iris, beaucoup plus clair à l'intérieur, et ensuite vous allez avoir une partie qui est un peu plus foncée quand on se rapproche de la pupille. Donc c'est pour ça qu'à ce stade, on va simplement appliquer donc un crayon type B ou HB à l'extérieur pour commencer à marquer la différence entre l'extérieur de l'iris et l'intérieur. Voilà. On peut aussi marquer la pupille. Et à ce stade, ce qu'on va faire, comme on l'expliquait dans la vidéo, on va simplement laisser un espace, on ne va pas coloriser entièrement la pupille, on va laisser un espace au-dessus qui sera l'espace pour cette partie de la cornée qui est où la lumière se reflète, qui est une des parties les plus importantes pour donner vie à un regard. Ça, si vous regardez quelqu'un ou n'importe qui, si vous voyez une chose qui donne la lumière à un regard, c'est vraiment cette petite partie qui est directement la réflexion de la lumière. C'est vrai que du coup, je te regarde en même temps que je. Et c'est très parlant quand on regarde quelqu'un d'autre. C'est lequel de le dire. Donc voilà, donc on va garder cet espace, parce que c'est vrai que si vous commencez à le coloriser, après vous devrez le gommer, et donc du coup, c'est plus compliqué de revenir dessus. Voilà, vous pouvez également redescendre un petit peu ici. Et puis, on va également commencer à coloriser sur l'extérieur ici de la paupière inférieure. Alors, on a les gauchers et les gauchères qui paniquent un peu sur l'estompage. D'accord. Et qui disent qu'ils doivent trouver leur point, leur d'estompage, parce que c'est pas effectivement naturellement, ils tiennent différemment leur. Bien sûr. Mais bien sûr. Donc, ils sont en train de chercher.
Mais je pense que tout le monde le cherche. C'est vrai que gaucher ou droitier, encore une fois, chacun va trouver sa technique, le type d'estompe et sa manière d'estomper qui va vous paraître la plus naturelle, la plus efficace. Il n'y a pas une bonne manière de le faire. C'est vrai qu'évidemment, la seule règle, c'est d'essayer au maximum d'éviter de poser sa main ou la tranche de la main sur le dessin, puisqu'avec donc, le gras de la pose, c'est là où après ça va laisser des marques. Mmh. Et si vous laissez des marques, ensuite, c'est beaucoup plus compliqué de modifier votre dessin. Mais sinon, encore une fois, expérimentez avec différents outils et voyez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc voilà, donc on va continuer donc à estomper. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des détails des cils ou des choses comme ça. On va vraiment s'occuper de l'estompage des parties les plus importantes. Voilà, et un des premiers tests, c'est vraiment de vous assurer que votre pupille est centrée. C'est-à-dire que, quelle que soit la taille d'ailleurs de la pupille, puisque la taille de la pupille, quoi, je crois qu'on voit dans la vidéo, en fait, elle varie en fonction de l'intensité de la lumière, de la source lumineuse. Mais évidemment, vérifiez que votre pupille est centrée par rapport à l'iris. Alors, est-ce que le blanc qu'on doit donc un peu laisser, ouais, on le met à la fois dans la pupille et dans l'iris, ou que dans la pupille? Alors, très bonne question. Alors ça va dépendre. Faites le test chez vous. Regardez-vous dans un miroir avec différentes sources lumineuses. Vous allez voir que l'endroit où cette partie blanche se trouve dépend de l'endroit d'où vient la lumière et de l'intensité de la lumière. Donc faites le test. Il n'y a pas de règle. Là, pour un dessin où a priori la lumière vient de face ou d'un petit peu d'en haut, on va être à cheval entre l'iris et la pupille. Donc d'ailleurs, je vais laisser un petit peu plus d'espace ici. Donc la partie blanche sera dans l'axe de la pupille, mais à cheval entre l'iris et la pupille. Voilà, on peut même carrément la marquer, c'est-à-dire en gros l'encadrer, voilà, pour être sûr qu'elle soit prise en compte. Voilà. Voilà, donc on va à nouveau utiliser nos estompes. Donc là, à ce stade, j'aime en général utiliser des estompes un petit peu plus, un petit peu plus précises. Parce que là, il s'agit vraiment de commencer à donner la forme que l'on veut avec nos estompes. Oui, donc elle est plus, effectivement. Ouais. On utilise donc la partie la plus petite de la brosse ici. Je pense qu'en vrai, je suis nulle en maquillage, mais je crois que ça sert aussi à travailler les yeux. J'imagine. Donc, j'imagine. On ne travestit pas vraiment l'usage. Finalement. Non, exactement. Voilà. Je vais également commencer à utiliser donc mes fameux cotons-tiges pour commencer à marquer un petit peu plus les zones d'ombre les plus importantes. Donc notamment sont cette zone sous la paupière ici. Iris, et puis donc cette espèce de cerclage autour de l'iris donc qui va nous permettre d'avoir le bord qui est plus foncé que l'intérieur. Voilà, donc à ce stade, on va maintenant passer avec un crayon un petit peu plus foncé, donc le 4B. Et donc là, on va vraiment s'attarder sur les parties les plus foncées. Donc, encore une fois, sous la paupière, ici. Donc, notre pupille. Également, on peut refaire le tour, éventuellement, ici, de l'iris. Voilà. Et pour l'instant, on va pas aller plus loin pour l'instant sur l'iris. On y reviendra un peu tout à l'heure. On va également ici quand on dessine pas ou peu comme moi, oui, on se dit comment savoir quand il faut s'arrêter.
C'est une très bonne question, c'est une excellente question et il n'y a pas vraiment de règle. C'est-à-dire que la seule chose que, voilà, qu'on peut conseiller, c'est vraiment d'y aller graduellement en ayant en tête ses repères. C'est-à-dire que par l'observation, voilà, avoir en tête que sur un œil, les parties les plus foncées, c'est l'iris. C'est la pupille, c'est la partie qui se trouve en dessous de la paupière, ce qui veut dire que toutes les autres parties doivent être a priori plus claires. Encore une fois, ça dépend de la lumière, ça dépend de l'intensité, ça dépend de la lumière sur votre portrait. Il n'y a pas vraiment de règle. Et c'est bien sûr toute la complexité, puisque évidemment, si vous allez dessiner un portrait avec une lumière extrêmement vive, l'ensemble de votre œil sera plutôt clair, alors qu'un œil dans l'obscurité, ce sera différent. Voilà, donc on continue en fait à construire nos valeurs de cette manière. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donc toujours avec notre client 4B, on va commencer à apporter un peu plus de détails à notre iris, donc avec notre tour dont on a parlé. Et puis aussi, on va commencer à construire, vous savez, ces espèces de petits filaments de pigments qui partent en fait du bord de l'iris. Et qui sont des filaments très, très irréguliers. Donc, essayez, si vous le pouvez, de ne pas tracer des traits très, très, très droits. Mais vraiment, ces petits filaments qui donnent une espèce de pigment, en fait, de couleur, qui donne vraiment le réalisme à l'œil. Il y a également une deuxième partie donc, dans l'iris ici, qui est une espèce de cercle. Alors, je ne sais pas si on voit la caméra parce que c'est relativement, bien, oui. Relativement petite zone. Voit. Mais donc vous avez cette espèce de cercle autour du qui parfois est plutôt d'une couleur plutôt orangée, oui. Ou jaune. Voilà, chez ma pouvez, fille, c'est jaune. Ouais, ça me donc, marque. Donc oui. Voilà, donc vous pouvez représenter également. Voilà. Donc voilà. Donc une fois qu'on a rajouté ces détails, donc on commence à voir un petit peu plus de encore un petit peu plus de réalisme dans l'œil, et puis on peut continuer à construire nos valeurs. Voilà. Sachant qu'en général, un point de repère assez utile, c'est que donc, vous voyez que l'ombre de la paupière, quand elle arrive sur l'iris, en général, elle crée une sorte de dégradé qui ensuite donc, ressemble à la teinte de l'extérieur de l'iris. Impressionnant. Voilà, donc, d'ailleurs, ça impressionne. Je lis les commentaires au fur et à mesure, effectivement. On nous dit que c'est génial, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant. Super, tant mieux. J'espère surtout que ça vous donne les clés de compréhension pour pouvoir s'y mettre. Ça a quelque chose de très intimidant. Je sais que c'est des choses, quand j'ai démarré le dessin, qui était probablement le plus compliqué à aborder et surtout à vraiment se dire qu'à essayer de le décomposer pour arriver à le rendre le réalisme. Et c'est vrai, comme on l'explique dans le cours, pour être très honnête, un portrait, 80% d'un portrait et de l'intensité d'un portrait que vous allez dessiner, c'est le regard. C'est-à-dire que si le regard, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de démarrer par le regard quand vous faites un portrait, parce que très honnêtement, le nombre de portraits que j'ai pu merder juste parce que le regard n'allait pas ou la pupille, les yeux n'étaient pas alignés, ça vous flingue un portrait. Donc, je vous conseille de démarrer par les yeux, comme ça. Et vous allez rater, mais c'est pas grave. Non, mais alors vous allez recommencer. Tout le monde rate, et c'est comme ça que ça vient. Mais voilà, n'hésitez pas à commencer par le portrait, parce que c'est vrai qu'en général, quand on démarre, on a parfois tendance à vouloir faire tous les détails d'un visage. Et puis parfois de garder le plus difficile pour la fin, alors que voilà, c'est dommage parce que si le reste du portrait est réussi, c'est en général ça fonctionne pas. Voilà. Donc voilà, on continue un petit peu légèrement en fait à construire notre dégradé ici. On va très rapidement prendre le 8B pour les parties donc vraiment les plus foncées. Donc encore une fois notre pupille ici. On va encore une fois, passer légèrement autour de l'iris. Et un petit truc aussi qu'on fait, c'est que pour ajouter encore plus de réalisme dans l'œil, ce que vous pouvez faire, c'est que comme cette partie donc très blanche dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, si vous observez encore plus près, elle n'est pas vraiment blanche. Quand vous allez regarder, vous allez voir se refléter vos sourcils
dans cette partie. Donc, il y a un effet qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait, vous pouvez, dans cette partie blanche, faire quelques traits qui ressemblent à des traits en fait des traits de vos sourcils qui se reflètent dans cette partie blanche. Voilà. Donc à ce stade, ce qu'on va faire, c'est que donc on va garder l'iris et la pupille telle quelle. On va simplement construire les valeurs sur le blanc de l'œil qui n'est pas blanc mais qui va être blanc simplement sur la partie la plus centrale, donc cette partie ici. Mais on va donc construire nos valeurs au-dessus et en dessous, pour vraiment donner cette idée de relief au globe oculaire. Donc vous voyez ici, en dessous, et vous voyez qu'on va laisser une partie qui est blanche, qui est relativement petite, qui est simplement la partie du milieu, le reste étant coloré. On va faire très rapidement la partie que personne j'aime le moins faire cette partie lacrymale, que je vous avoue c'est simplement une question de goût personnel mais que j'ai relativement peu d'affection à faire, mais bon voilà. Donc cette partie là qui est en général qu'on peut laisser avec si vous observez encore une fois, sur vous-même ou sur les gens autour de vous, qui est une partie qui est rose avec des reflets, étant donné que c'est une partie lacrymale, avec du liquide. Il y a donc des reflets très, très importants. Donc en général, je la dessine avec une partie ombrée et ensuite simplement laissant blanc dessus. Voilà. On va maintenant rajouter les cils. Les cils pour donner encore un plus. Non, je voulais juste vous rappeler, parce que je vois sur les commentaires, il ne faut pas hésiter avec les dessins, on sait que c'est les premiers. Moi, je lis parfois que voilà, elles ont un peu peur ou ils ont un peu peur. Je vois plus de femmes, mais je vois quelques hommes ce soir. Vous avez un peu peur de vous lancer, vous inquiétez pas. Le but là, ce n'est pas de nous envoyer des yeux parfaits du tout. C'est justement qu'on puisse vous dire, que Jean-Baptiste puisse vous dire, parce que moi, je ne vais pas beaucoup vous aider. Comment avancer, ce qui a pu pêcher, ce qui va bien. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et c'est contact@artesane.com. N'hésitez pas. On est là, on est bien sûr. Voilà, donc on va passer à nos cils. Donc, je crois qu'on a évoqué dans la vidéo, en fait, quand vous regardez les sources des cils, donc on a tendance à les dessiner de manière très droite quand on débute. En fait, ils n'ont rien de droit. C'est plutôt, il faut arriver à retranscrire l'idée de la courbe de ces cils. Et pour ça, on trace des sortes de U avec une branche un peu plus courte que l'autre. Et entremêlées. Donc, ne faites pas des cils droits, ça rendrait votre regard très statique. Donc, en partant sur pour la paupière supérieure ici, donc en partant du haut de la paupière, donc ici, excusez-moi, on va juste terminer ici. Donc en les faisant redescendre puis remonter, voilà, redescendre puis remonter, avec légèrement plus à l'horizontale quand on est sur les côtés des yeux. Voilà, n'hésitez pas à faire des paquets aussi, des paquets de cils. Surtout si vous avez mis du mascara, ça peut faire des paquets. Et sur les côtés, vraiment également sur l'extérieur de l'œil, voilà, n'hésitez pas à les étirer. Et encore une fois, avec cette idée de vraiment essayer de faire ces gestes relativement circulaires avec votre crayon. Voilà. Sur la partie inférieure, là, ce que vous allez noter si vous regardez d'un œil, c'est que donc les cils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus clairsemés, et également ils partent à la fois du bord ici de la paupière, mais également de l'intérieur. Donc vous pouvez légèrement déborder. Voilà, ici. Encore une fois, n'essayez pas d'être régulier, c'est vraiment tout le contraire qu'on cherche. On cherche à donner le plus de naturel possible avec des formes qui sont... voilà. Donc voilà, on peut continuer à ombrer ici un peu sur le côté, surtout pour des regards, si on veut des regards un peu plus prononcés, on peut aussi continuer ce qu'on avait fait ici au-dessus de la paupière à construire. Ici,
un dégradé. Et c'est là où vous pouvez, sur ces parties un peu plus larges, utiliser d'autres outils comme les démaquillants et les cotons démaquillants. Voilà. Et puis ensuite, on va juste très rapidement, pour vous montrer, ici, on va pouvoir rajouter des sourcils. Donc avec une forme fluide, si possible. Et Katia, je suis sûre que non, votre dessin n'est pas trop moche pour être posté. Il n'y a pas trop moche, il y a des essais et des erreurs. Non, ce n'est pas une question de moche. Et en plus, un truc qui est assez important, c'est qu'il y a plusieurs styles. Et chacun a son style. Et ce n'est pas forcément le dessin le plus réaliste qui sera le plus ou moins moche. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser des dessins absolument sublimes en gardant des traits très simples et petit à petit, vous pouvez construire un peu plus de complexité. Donc voilà notre premier regard, notre premier œil féminin. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on se place par rapport au temps. On est bien, ça fait déjà une heure. Le temps file. On a plusieurs options. Soit on peut maintenant faire un œil d'homme, soit on peut passer à des choses un petit peu différentes comme les âges ou les expressions. Alors, j'hésite parce que vous me voyez peut-être parfois tapoter, etc. Quand vous avez l'habitude de ces masterclass, vous savez qu'en fait, j'ai un lien avec Armel qui est en régie et qui me transmet toutes vos questions et qui me dit que le premier dessin arrive. Mais est-ce qu'il est déjà arrivé? Elle me le dit en rouge. C'est une question d'Armel qui se demande si le dessin est arrivé? Non, elle nous indique qu'il est en train d'arriver. D'accord. Est-ce qu'il a été chargé ou pas sur... d'accord, elle me dit pardon. Oui, avec plusieurs i. Donc super, ben merci. Merci d'avoir partagé votre dessin. Alors, tant que je retrouve où sont les dessins. Le voilà. Je sais pas, est-ce qu'on voit l'écran? Super. Bravo. C'est bien. Est-ce qu'on a le prénom de la personne qui nous a envoyé ce dessin? Peu importe, mais en tout cas, bravo, super. J'aime beaucoup les proportions globales. Donc on retrouve bien les trois lignes de la paupière supérieure, les trois lignes également de la paupière inférieure. Également très bien sur le rendu des dégradés. Donc les dégradés sont respectés et surtout ce dont on est à l'heure, je trouve qu'il y a déjà un très bon équilibre des tons, c'est-à-dire que voilà, on sent que ce qui ressort c'est l'iris et la pupille et j'aime beaucoup le ton relativement doux de la paupière supérieure, donc très très bien. Quelques suggestions. Alors, il y a quelque chose on l'a rapidement évoqué dans la vidéo, c'est que quand vous regardez un œil, vous allez voir que la partie supérieure de votre iris est couverte par la paupière. En revanche, la partie inférieure de votre iris, elle, en général, quand vous regardez de face, elle arrive juste au niveau de la paupière. Je ne sais pas si je peux me lever. Alban va peut-être m'engueuler. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que cette partie ici, en général, elle est recouverte par la paupière, alors que celle-ci arrive juste à fleur. Donc, ce que je vous conseille, c'est que simplement, peut-être ce que vous pouvez faire, c'est de continuer en fait l'ombre de votre paupière pour donner l'impression qu'elle est recouverte par la paupière. L'autre petite suggestion, c'est notre partie lacrymale ici, peut-être de l'allonger un petit peu, parce que c'est quand vous regardez sur un visage, cette partie peut être légèrement plus grande, mais sinon vraiment super. Donc bravo à la personne qui m'a envoyé. À Mylène. À Mylène, bravo Mylène, super. Et je vois qu'on est en plein dans le 2. Ah super, ça arrive. Qui arrive. Ça arrive, super. Alors qui, est-ce qu'on a le prénom? Je pense que Armel va me les dire au fur et à mesure, je n'ai pas D'accord. encore le prénom. Super. Alors, bravo pour ce dessin. Alors, j'aime beaucoup Alors, a priori, on est plutôt sur un œil féminin.
Oui. Puisque donc là on a une courbe, une très jolie courbe de la paupière supérieure, avec donc des très bonnes proportions, donc de la largeur de l'œil, la taille de l'iris et de la pupille, donc super, vraiment vraiment très bien. C'est le dessin de Caroline. De Caroline, d'accord. Bravo Caroline, du coup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, vraiment, je trouve que les très très bonnes proportions. Peut-être maintenant, alors c'est toujours un peu le comment dire, on a toujours tendance à vouloir faire les détails avant de parfois de faire donc les parties les plus importantes. Donc je vois que vous avez par exemple démarré sur les cils. Ce que vous allez peut-être avoir du coup du mal, un peu plus de mal à faire, c'est de rendre du coup les ombres sur les côtés de vos paupières ici, en ayant dessiné les cils dessus. Donc c'est pour ça que on essaye en général de faire les ombres des paupières d'abord et de terminer en général par les cils, parce que c'est donc le détail et qu'une fois que vous avez ajouté les cils sur votre œil, c'est difficile d'y revenir. Ensuite, on a un troisième dessin ouais. de Katia. Katia, Katia qui super, nous disait Katia. Que son œil était trop moche. Eh bien, écoutez, non, pas du tout. je trouve que c'est super, Katia. Bravo. Bravo. Alors, pareil, les proportions sont très bonnes en termes de taille de l'iris, de la pupille, de la paupière supérieure qui recouvre le haut de l'iris. Donc, super. Je trouve que la courbe supérieure est superbe, donc très très régulière, donc bravo. En termes simplement de ce que je vous conseille, donc peut-être en termes de dégradé, essayez peut-être un petit peu plus de marquer si vous pouvez donc le dégrader à l'intérieur de l'iris, avant de créer ces marques de détails, donc que ce soit les cils ou à l'intérieur de l'iris, si vous faites le dégradé en premier et ensuite vous rajoutez les détails, donc soit des pigments, soit des cils, ça vous permet de construire votre dessin et donc de faire en sorte que ces détails ressortent. Peut-être une autre suggestion aussi, ce qu'on a un petit peu tous tendance à faire, je pense, quand on démarre, c'est de garder vos traits relativement fins. Alors, c'est compliqué quand on démarre parce qu'on a tendance naturellement à vouloir repasser sur nos traits. Donc ici, je vois que vos traits sur les côtés, notamment ici, sont relativement épais. Alors, on fait vraiment tous pareil. Essayez, si vous le pouvez, de garder vos traits un peu plus faibles quand vous démarrez et vraiment, encore une fois, de construire votre portrait graduellement. Mais bravo Katia, super. Alors ensuite, c'est Hélène. Hélène. Là aussi, je suis impressionnée par ça. Ouais, moi aussi, je suis vraiment impressionné. C'est vraiment super. Pareil, alors très bonne proportion. Je dirais peut-être l'iris un petit peu trop large. Donc peut-être à réduire un tout petit peu pour garder dans la proportion de l'œil, parce que je vois que vous avez donc. Vous avez l'œil qui est légèrement plus petit que les quatre carreaux. Sinon, j'aime beaucoup donc le dégradé autour de la paupière. Donc super avec le sourcil, très 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 bon, très très bon dessin, super. En termes de suggestions, alors ça viendra probablement avec la pratique, mais c'est vrai que y a une chose qui est assez marqué chez les femmes en général, c'est donc cette ligne ici qui est donc la courbe supérieure de la paupière. Peut-être la marquer un petit peu plus, donc voilà, pour faire ressortir la paupière, mais sinon très très bon, très très bon dessin. Et après Hélène, et enfin, on a Caroline. D'accord. Super Caroline. Très bon dessin aussi en termes de proportion. Ouais. En termes de courbe de la paupière supérieure aussi. C'est là où on se rend compte que déjà, même si elles ont bien suivi tes explications, je crois que j'ai vu que des dessins de femmes, ouais. Ce sont des yeux différents. Exactement, exactement. Et c'est marrant que tu dis ça parce que c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait ces guides que j'ai donnés en termes de sur cette grille.
amusez-vous aussi à jouer avec maintenant que vous les connaissez. C'est-à-dire que si vous voulez des yeux, par exemple, un peu plus en amande, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à, au lieu de faire votre œil aligné dans l'axe horizontal, vous pouvez le relever un peu. Et donc, ça vous donnera des yeux de chat, un peu des yeux un peu en amande, ce qui peut être très sympa comme effet. Peut-être la remarque principale, Caroline, pour votre dessin, peut-être l'iris est un petit peu large et peut-être la pupille n'est pas complètement centrée, ce qui n'est pas grave, parce que vous pouvez complètement le reprendre en simplement agrandissant ici un petit peu la pupille de ce côté-là. Et peut-être, alors si ici ça dépasse un tout petit peu sur la partie supérieure, peut-être réduire un tout petit peu cette partie-là, mais sinon vraiment super. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause, ouais. Parce que les dessins continuent à arriver en nombre, du coup qu'on avance et qu'on refasse une pause. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai vu des dessins de passer de Thierry, d'Angélique, etc. On les garde pour la suite du... D'accord. On se retrouve dans 15 minutes avec les dessins et comme ça on avance un peu sur le... Parfait, sur la suite. Donc ouais. Même question que tout à l'heure, donc comment est-ce qu'on avance? On a donc nos deux options, soit plutôt œil d'homme, soit plutôt différents types de d'âge et d'émotions. Je pense que ce qui est beaucoup demandé, c'est les émotions. Les émotions, d'accord, et bien super. Et bien faisons les... Passons aux émotions. Alors, pour ça, je vais simplement reprendre quelques... Voilà. Je ne sais pas si on voit voilà, cette photo. Alors, c'est pas de moi, j'ai trouvé cette photo sur Internet. Je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'évidemment, les émotions, la première des manières de voir des émotions, c'est sur le visage des gens et des personnes. Et que sur le visage des personnes, le regard et les sourcils, donc c'est là où on va vraiment s'aider aussi des sourcils, et c'est vraiment un moyen de nous aider à vraiment accentuer nos émotions, ça va nous permettre de rendre ces différentes émotions. Les regards qu'on a fait jusqu'ici sont relativement neutres. Donc ce qu'on va essayer de voir un peu, c'est sur des émotions un petit peu extrêmes, comment est-ce qu'on peut arriver à rendre ces différentes émotions. Ce que je vous propose, c'est de regarder la colère, parce que c'est quelque chose de relativement, j'allais dire c'est plus simple pour démarrer, puisque c'est relativement extrême en termes de dessin, comme on peut rendre la colère, et je pense que vous l'avez tous vu dans des BD ou dans des styles plus réalistes. On va regarder aussi la surprise, qui est aussi une des émotions les plus faciles à rendre avec les yeux, et puis on regardera aussi la tristesse. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va le faire, en live, c'est-à-dire qu'on va dessiner ensemble ce à quoi ça peut ressembler. Donc, n'hésitez pas du coup à le faire en même temps. Eh bien sûr, bien sûr. Donc, on va reprendre notre bonne vieille grille 4x4. On va la faire. Ne cherchez pas forcément. Alors, je sais qu'on a demandé à ce qu'il y ait une règle et une équerre dans les outils pour le cours. Mais ne vous angoissez pas quand même. Mais très honnêtement, à main levée, ça fonctionnera très bien. Il n'y a pas de règle absolue. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va essayer de comprendre comment est-ce que l'œil varie quand on a une émotion de colère. Donc, on va toujours avoir nos différents points de repère. C'est-à-dire, en gros, ici, donc la partie lacrymale, on va avoir notre premier trait ici qui arrive. En revanche, ce qui est intéressant de voir quand on a la colère, alors je ne sais pas si on le voit bien ici sur l'écran, mais vous avez en fait, les émotions donnent une certaine orientation au visage. Alors c'est dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais en gros ce que vous voyez, c'est que quand on est en colère, on a deux forces qui viennent un peu en collision et qui se reflètent dans les yeux. C'est une force qui va du haut entre les deux sourcils et en bas. Et donc vous voyez que quand il y a ces yeux qui se contractent, il y a cette force-là qu'on va essayer de matérialiser. Alors que quand vous avez la colère, la tristesse est plutôt une force qui descend, qui va du haut vers le bas. Donc on a plutôt les yeux qui tombent. Et la surprise, pour le coup, c'est les yeux qui s'ouvrent et qui rayonnent donc dans tous les côtés. Donc gardez ça en tête, parce que c'est vrai que quand on parle des grands, des grandes énergies qui sortent d'un visage qui est en colère, ça peut vous aider. Donc pour la colère, donc si on réfléchit à ces deux axes, donc on va commencer à faire nos trois traits, mais en revanche, au lieu de partir un trait vers le haut puis de redescendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement continuer vers le haut sur le deuxième trait, et ensuite
on va redescendre ici. Et la raison pour laquelle on fait ce trait dans ce sens-là, c'est parce que quand vous êtes en colère, vous allez avoir la partie de la peau qui est au-dessus de la paupière qui va venir au-dessus de la paupière. On va ensuite donc toujours avoir notre partie lacrymale ici sur le côté. Donc ça fait notre premier trait. Ici notre deuxième trait. Et ici notre troisième trait. Donc on a toujours nos trois traits en haut, trois traits en bas. Et notez comme quand on est en colère, les yeux ont tendance à se plisser, c'est-à-dire que vous aurez un œil qui est moins haut. La partie des yeux et des iris sera moins haute que lorsque vous avez un œil normal. Donc ce qui est assez rare de faire, mais bon, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer directement à tracer notre sourcil, parce que c'est le sourcil, pour le coup, pour la colère, qui va vraiment nous donner cette indication de l'orientation de l'œil. Voilà. Bonjour Alban, qui vient nous rendre visite. Voilà, donc ça c'est la forme globale de votre œil. On va ensuite rajouter donc notre iris et notre pupille. Donc toujours pareil, même taille pour l'iris. En revanche, en général, la pupille est un petit peu plus fine. Ici. Voilà. Ici, on est un petit peu plus voilà, serré comme ça. Pour rendre la colère. Donc, les choses que je n'ai pas encore ajoutées ici, c'est qu'on va quand même continuer à voir l'intérieur de notre paupière. En haut, elle sera quasiment cachée. Mais. Voilà, je ne sais pas si on arrive à voir. Mmh, si, on voit très très bien. Donc voilà. Sachant qu'en général, quand on dessine la colère, il y a aussi également, on dessine les muscles du front qui se plissent au-dessus du sourcil qui aident vraiment à rendre cette émotion-là. Voilà, donc ça c'est pour la colère. Donc je ne vais pas aller plus loin dans le dessin ensuite quand il va s'agir de coloriser, c'est exactement le même principe. C'est le même principe, sachant que voilà, quand en général on dessine des gens en colère, les yeux sont plus noirs, plus foncés, donc n'hésitez pas à vraiment ici à foncer cette partie-là, donc la partie sous la paupière pour vraiment accentuer cette idée que la paupière est plissée. Voilà, ici, et n'oubliez pas toujours notre... Et on va faire un petit truc en direct. Parce voilà. Que ça, c'est le direct, ça, c'est le live. On va changer voilà. Ton micro parce qu'il y a un tout petit souci. Et bien, changeons le micro. Bonjour à tous. Changeons le micro. Voilà. On va changer okay. Le micro, ça arrive. Alors, ben, regardez comment ça se passe. Je suis désolé. Vous allez connaître. La surprise. Et donc, la surprise de maintenant. Oui, on avait dit que la température montrait aux alentours de 1h, c'est maintenant. C'est ça. Merci beaucoup. Mais au moins, à tout le monde, quand on vient assister à des masterclass en direct, on s'attend tous à une petite surprise. Ouais. Ben, ça, du soir. Voilà. Voilà. Donc celui-là est armé. Et voilà, on a changé de micro, c'est reparti. Super. Merci beaucoup Alban. Merci Alban, notre réalisateur. Merci beaucoup Alban. Donc voilà, donc en attendant de passer à la suivante, donc je vous ai juste mis une image de cet homme qui n'a pas l'air effectivement très, très joyeux. Donc voilà, pour retrouver vraiment cette idée, si vous voulez vraiment, si vous voulez synthétiser ce qui est important quand on va vouloir retranscrire la colère, c'est cette idée de ces deux forces comme ça qui viennent autour des yeux, une qui vient de ce sens-là et une ici, qui fait que les yeux se plissent et qu'on a l'impression de la colère. Mais c'est vrai que cette image au moins, elle est presque caricaturale, bien sûr. Mais on comprend très bien ce que tu veux dire. Exactement, exactement. Alors, l'autre expression qu'on va regarder, c'est la surprise avec cette mignonne petite, très mignonne petite fille. On a tous vu des enfants qui sont en général les plus expressifs pour montrer la surprise. Alors, ce qui est sympa avec la surprise, c'est qu'a priori, c'est une expression qui est plus facile à rendre parce que c'est en fait une des seules expressions où vous allez voir votre iris entièrement. C'est-à-dire que contrairement à tout ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est-à-dire que quand on a un regard neutre ou qu'on a une expression neutre, on a en général donc le haut de l'iris qui est recouverte par la paupière. Pour la surprise, une manière de rendre la surprise, c'est simplement de faire en sorte que vraiment vous allez voir
le rond de l'iris, comme on le voit ici sur la, sur oui, la photo. Oui, on voit tout. Là, donc on va donc retranscrire la surprise. Alors pareil, on va utiliser un crayon B. Donc on reprend notre quadrillage 2x2, ici. Donc on va garder cette idée, voilà, toujours notre partie lacrymale ici. Et on va beaucoup plus accentuer voilà, la paupière supérieure, l'amplitude de la paupière supérieure. Voilà, et la paupière inférieure. Et donc, ce qu'on va faire simplement ici, c'est qu'on va venir dessiner une iris qui se trouve en plein milieu de l'œil. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc relever le haut de la paupière ici et en bas. Ce qui va aussi donner le sens à la surprise, comme vous le voyez sur le dessin ici, c'est bien sûr que les sourcils vont également être en arche. Voilà, vous pouvez également avoir cette idée des yeux vraiment écarquillés. Donc on aura toujours les mêmes éléments, donc toujours le dessous de la paupière et ici la paupière inférieure, mais vraiment l'idée de la surprise va être retranscrite par l'œil au milieu. Voilà, on est sur notre. Ce que je vous conseille de faire si vous êtes en train de nous suivre, c'est que vous pouvez par exemple essayer de travailler une des expressions qu'on a vues comme la colère et la surprise jusqu'au bout, puis on regardera en fin de. Ouais, bien sûr. Donc, de terminer le travail tel qu'on l'a vu dans la première partie de la masterclass. Ouais. Donc, voilà pour la surprise. Et puis, donc la troisième expression qu'on peut regarder ensemble, c'est donc la tristesse. Alors, la tristesse. Alors, je suis désolé, c'est une image que je trouvais sur Internet, mais qui est en anglais. Mais je trouvais qu'elle résumait assez bien, en fait, la manière dont on peut retranscrire le sentiment de tristesse. Avec cette idée, donc en termes, donc encore une fois, de ces forces sur le visage, avec vraiment une force qui va du haut et qui descend vers le bas, donc qui rend les yeux tombants, qui rend les paupières tombantes, et qui rend également les sourcils tombants. Donc, comme vous pouvez voir, il y a cette idée que ça forme du coup un triangle avec donc les traits qui partent dans ce sens-là, au-dessus là avec les paupières descendantes. Les sourcils qui font en fait avec le centre des sourcils, la partie centrale des sourcils va légèrement monter puis redescendre encore une fois, s'affaisser comme le reste du visage. Voilà. Et puis vous pouvez vraiment accentuer cette idée de tristesse avec une forme des yeux qui sera beaucoup plus tombante. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on va reprendre ici donc 4. Ici, donc on va prendre le même point de départ, donc toujours notre point lacrymal ici. On va partir sur notre premier trait, quand là, mais au lieu de faire notre trait 2 et notre trait 3 ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire retomber, le haut de la paupière, ici, au-dessus de l'œil. Ce qui veut dire que du coup, ici, l'œil va vraiment retomber sur le côté. Voilà. De cette manière-là. Et donc là, pour le coup, étant donné qu'il y a cette force qui vient sur les paupières, on va une partie plus importante de l'iris qui va être masquée par la paupière supérieure que d'habitude. Donc, si vous regardez le premier dessin, la paupière recouvre légèrement l'eau de l'iris, mais ici, ça va vraiment être beaucoup plus recouvert. Donc, voilà, on a cette idée qui est accentuée par
par le mouvement ici des sourcils. Voilà, pour vous donner une idée. On peut en rajouter évidemment une larme si, si on veut. Ça devient vraiment tragique. Voilà, ça devient vraiment, voilà, vraiment tragique. Mais voilà, j'espère que ça vous donne une idée de comment est-ce qu'on peut, en fait, simplement par les certains détails du regard, vraiment donner une idée d'une émotion qu'on fait passer dans le regard. Alors, j'en profite pour prendre quelques questions. Il y en a une qui est très terre à terre, mais je vois que vous commencez à avoir la débité. Eh ben, je crois que tu ne pourras. Je ne t'ai pas donné la réponse car c'est moi qui l'ai. On nous demande s'il y a un code promo sur ton cours. C'est vrai qu'on fait toujours des codes promo pendant les masterclass. Donc oui, c'est Regard 2020 et c'est jusqu'à dimanche. Et c'est donc sur le cours de dessin réalisme de Jean-Baptiste. Donc maintenant, tu as la réponse. Ben, j'en suis ravi. Regard 2020. J'en suis ravi. En majuscule, Regard 2020, mais on va vous le mettre dans le chat. Alors, les questions, on a répondu aux demandes, puisque Guy souhaitait voir un œil énervé. Je pense que c'est celui de la colère. Ouais. Ce que je propose, c'est qu'on prenne les quelques dessins qui étaient arrivés tout à l'heure. On n'a pas terminé de les commenter. J'en ai vu plusieurs et je sais que vous êtes en train de faire les dessins qui suivent sur les expressions. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes arrêté à la première étape, ce qui est intéressant là, c'est de voir le travail de l'expression. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer ces étapes-là. Mais donc je crois qu'on en était effectivement… Oui, oulala, il y en a plusieurs qui sont arrivés. Ouais, super. Merci beaucoup. Alors, je crois de mémoire qu'on s'était arrêté. Voilà, celui-là. Donc, passer devant l'écran. Pas de souci. Donc, le 9e dessin. Est-ce qu'on a le prénom de la personne qui nous l'a envoyé? Eh bien, ça doit être Armel, je ne sais pas. Je vais demander à Armel, justement. OK, eh bien, demandons à Armel. Mais en tout cas, très beau dessin. Bravo à la personne qui l'a réalisé. J'aime beaucoup, encore une fois, sur celui-là également, les proportions. Je trouve que c'est très bien réalisé. Très bon rendu de l'iris et la pupille, donc et vraiment avec cette idée que le bord de l'iris est plus foncé que l'intérieur avec un dégradé, cette espèce de petite auréole. Donc vraiment bravo, super pour ça. Peut-être ma suggestion sur ce dessin, alors peut-être deux suggestions. La première, c'est que alors peut-être de rendre un tout petit peu plus la partie lacrymale ici, donc peut-être un tout petit peu plus grande. Et puis aussi, ce que je vous suggère, c'est peut-être que de rendre la paupière supérieure un petit peu plus large, parce que ici, donc si je comprends votre dessin, alors je ne sais pas si c'est ici vous avez voulu rendre uniquement l'intérieur de la paupière ou la paupière elle-même, et du coup, si c'est ça la paupière. Donc ce que je vous conseille, c'est que peut-être utiliser la partie supérieure ici comme la paupière, et pourquoi pas, ça marcherait très bien. Mais si c'est le cas, je pense qu'il faudrait simplement repousser un petit peu plus vers le haut les sourcils qui seront du coup un tout petit peu trop bas. Mais sinon très très bien, super. Alors, ça c'est le dessin inconnu. Donc le dessin inconnu, donc du dessinateur inconnu. Très bien. Ensuite, on a Thierry. Alors là, il y a eu plusieurs, plusieurs dessins. Super. Oui, j'ai vu qu'il y avait eu des dessins en famille, donc enfants et adultes. D'accord. Très bien. Ben, super, Thierry, bravo. Alors, c'est marrant comme on sent une espèce d'évolution entre les trois dessins. Je ne sais pas si tu as cette impression là aussi, mais c'est vrai qu'on voit l'iris qui devient plus ronde, les dégradés qui commencent à arriver dans les dessins. Donc bravo, on sent une progression dans les trois dessins. Alors j'aime beaucoup, donc peut-être regardez le troisième dessin du coup, j'aime beaucoup donc la courbe supérieure de la paupière qui est vraiment vraiment très 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 fluide. Peut-être que la courbe inférieure de la paupière, quand vous regardez en fait un œil, elle n'est pas aussi marquée, elle ne suit pas exactement le mouvement que la paupière supérieure, et c'est assez complexe d'arriver à comprendre la forme de la paupière inférieure qui est un tout petit peu plus plate. Donc peut-être que on pourrait la rendre un petit peu plus plate.
Et puis l'autre commentaire qui est simplement une question de pratique à mon avis, qui est sur le rendu des dégradés. Donc par exemple, si vous voulez vraiment rendre une idée de volume, et notamment sur les paupières, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment essayer d'accentuer donc le foncé sur les côtés, donc sur les côtés, donc la partie qui sont les plus éloignées de vous quand vous regardez un visage, et donc de faire en sorte que la partie ici centrale soit la plus éclairée. Donc a priori sera la plus claire. Donc vraiment, essayez de travailler même si au début vos dégradés ne sont pas forcément très très réguliers, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une différence de teinte. C'est pas grave. Et vraiment essayez de réfléchir en termes de, c'est ce qu'on on aborde beaucoup dans le cours. Réfléchissez beaucoup en termes de, il faut beaucoup réfléchir en termes de valeur et de volume. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va donner l'illusion à travers un dessin d'un volume, ce qui est toute la complexité du dessin réaliste, puisque on a que deux dimensions, on a la hauteur et la largeur, mais comment est-ce qu'on va arriver à donner cette notion de profondeur sur un dessin. Mais vraiment, vraiment super travail, Thierry. Je continue, hein, moi j'adore. Donc j'ai fermé ma tablette pour qu'elle ne cache pas l'écran. Peggy, bravo, super dessin de Peggy. Je pense que Peggy est une illustratrice parce qu'on voilà, on sent qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup d'intensité qui est à mon avis qui est rendue par par un très bon équilibre, je trouve, dans les dans la manière dont elle appliquait les valeurs. Donc super, c'est assez je trouve ça assez subtil en fait, la manière dont vous avez rendu donc par exemple ce dégradé là entre donc l'arrière de la paupière et vers l'avant, le rendu de l'iris, donc vraiment vraiment super, bravo. Un tout petit conseil peut-être, alors peut-être que l'iris est un tout petit peu trop large, mais c'est vraiment mineur, vraiment super travail, Peggy. Et alors, ce que j'ai lu en voyant passer les mails aussi et tout, c'est que beaucoup, et c'est très bien, enfin c'est super. On fait avec les moyens du bord. Elles ont estompé avec les doigts pour le moment. Oui. Ils n'avaient pas tous les bons crayons. Mais on voit que rien qu'avec un simple crayon et les doigts, on arrive déjà à avoir quelque chose d'intéressant. Donc dès que vous serez équipé, bien sûr. Et puis c'est très très bonne remarque. Et même sur le papier, moi j'utilise. Alors je vous ai pas expliqué. Je suis désolé. Donc moi j'utilise du Canson pour ce dessin. Mais utilisez ce que vous avez à la maison, même du papier imprimante. Ça peut être un rendu qui est différent parce que c'est beaucoup moins granuleux, donc c'est beaucoup plus le bloc est plus lisse, donc le rendu sera vraiment différent. Mais pourquoi pas, allez-y, utilisez ce que vous avez, essayez. Et surtout, il y a aussi cette idée que quand on démarre en dessin, qu'on achète du papier, on n'ose pas, si on achète du papier trop cher. Tu vois ce que je veux dire, on n'ose rien faire dessus. Voilà. Donc surtout, pour éviter ça, n'importe quel papier ira très bien, faites avec ce que vous avez, et même l'estompe, ce que tu disais tout à l'heure, l'estompe au doigt, pourquoi pas, ça peut être un super rendu aussi, donc allez-y. Et donc justement, je crois que c'est Angélique qui nous disait ça. Super. Et qui s'est pourtant super bravo. Bien ouais, débrouillée. Ouais, bravo. C'est donc Angélique qui a estompé à la main, c'est ça? Je crois, oui. Eh ben, bravo. Je crois, je ne sais plus parce que j'ai vu passer les... mais il me semble que oui. Ouais, super Angélique. Donc, pareil, j'aime beaucoup la forme de la paupière supérieure, très 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 harmonieuse, très élégante. Et également la forme de la paupière inférieure, donc super. Que dire alors, c'est peut-être lié à simplement ma seule remarque. Et désolé, je vais un tout petit peu vite dans mes commentaires. Je suis désolé parce que je vois qu'on a quelques dessins qui sont arrivés. Peut-être alors avec l'habitude dans la balance des valeurs, donc. Peut-être la seule remarque que je pourrais faire, c'est cette partie-là, par exemple, peut-être un tout petit peu trop sombre, notamment si vous la comparez à l'autre côté du globe oculaire, puisque l'idée, c'est qu'a priori, si vous avez de la lumière qui arrive de face, c'est que les ombres soient relativement les mêmes des deux côtés du globe oculaire. Mais voilà, ça viendra évidemment avec la pratique. Vraiment super, super dessin. L'autre petite chose, peut-être, continuer aussi sur le dégradé, peut-être à l'intérieur de l'iris, parce que c'est vrai que vous avez laissé du coup cette zone blanche. Alors, c'est peut-être une question simplement de temps, mais voilà, peut-être continuer à comment dire,
à construire vos valeurs et à construire le dégradé à l'intérieur de l'iris. Sinon super. Louise et Emma. Oui, c'est une soirée mère-fille, je crois. Ouais. Bravo, super. Il y a deux sites différents. Ouais, deux sites différents. Si vous avez utilisé les deux mêmes types de papier, les mêmes types de crayons, mais super. Alors j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est alors dans ce rendu des dégradés. Alors c'est une technique qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette technique plus hachurée qui quand elle est maîtrisée est super. Et là vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Peut rendre un rendu tout à fait spécial et particulier, mais j'aime beaucoup sur les dessins le rendu. Alors en termes de peut-être les quelques remarques. Alors je sais pas qui. Alors si c'est Louise qui a dessiné à gauche et Emma à droite, alors je vais on va dire que c'est ça. Bon, excusez-moi si c'est pas le cas. Donc peut-être pour Louise simplement petite suggestion d'augmenter un tout petit peu la taille de la partie lacrymale. Et puis n'hésitez pas. Ah non, elles sont amies, pardon. Ah, amies, d'accord. Et donc n'hésitez pas à cette partie donc à faire en fait. Si vous regardez donc l'œil, le globe oculaire en fait qui est derrière, donc c'est le rond et la limite du rond, ce sera notre partie lacrymale, la partie du globe. Donc ce qui veut dire que quand vous allez construire vos valeurs ici sur le côté, la partie la plus sombre du globe oculaire sera la partie la plus proche de la partie lacrymale, donc sur ce côté droit. Donc n'hésitez pas à faire venir votre ombre ici jusqu'au bout. Et au-dessus, ce que je vous invite à faire aussi, c'est peut-être d'accentuer un petit peu plus l'ombre sous la paupière, parce que c'est aussi ça qui donne beaucoup de caractère à un regard. C'est donc cette partie, la manière donc qui couvre à la fois cette zone qui couvre à la fois donc les cils, qui couvre l'intérieur de la paupière, mais également l'ombre sur le globe oculaire. C'est une partie qui, n'hésitez pas à la faire assez assez large. Ça va tout de suite donner du relief à votre dessin. Pour Emma, super aussi. J'aime beaucoup le tracé de la ligne de la paupière supérieure, mais également de la ligne au-dessus, donc de la limite ici. Donc c'est super, bravo. Même remarque sur simplement sur le. Je vois que vous avez du coup une ombre ici qui est un peu plus importante. Donc ça c'est super aussi qui redescend sur l'iris. Peut-être la seule remarque, c'est sur la pupille, peut-être la faire un peu plus sombre. C'est vraiment la partie blanche, c'est vraiment une toute petite partie de votre pupille. Le reste, n'hésitez pas à la faire noire, enfin la noire le plus sombre possible. Et puis quelque chose aussi qui viendra probablement avec la pratique, c'est donc l'équilibre après du dégradé où ces parties-là sont très sombres. Et voilà, petit à petit, vous allez probablement prendre un peu plus l'habitude d'avoir un dégradé un peu plus graduel. Mais voilà, sinon super. Alors, est-ce qu'on continue? Je pense qu'on peut faire une pause parce qu'en plus, il y a quelques dessins qui arrivent aussi sur les expressions. Ouais. Donc le temps qu'ils arrivent et d'accord. Puis comme ça, on alterne un peu. Très bien. Parfait. Ça va, tu veux boire un peu? Je veux un petit thé. Oui, c'est ça, j'ai rempli pendant. Vous m'avez vu me lever, c'est les joies du direct, mais c'est que ben c'est comme on merci, parle beaucoup. Bon, j'ai un chat dans la gorge. Non, non, et toi, tu as parlé tout l'après-midi aussi, puisque tu as tourné un cours cet après-midi sur le dessin numérique, le dessin digital. Donc, c'était un travail sur tablette. C'est là, vrai, exactement. Qui sortira très bientôt. Et donc, tu enchaînes. Donc, bravo de tenir jusqu'à tard dans la nuit. Pour, avec plaisir. Et sache que, parce que toi, tu ne vois pas les commentaires, mais nous, on les voit. Les gens te disent qu'ils sont très, très impressionnés par ton travail et qu'ils passent un très bon moment. Eh bien, tant mieux si vous passez une bonne soirée. Je suis ravi. Moi, je suis partagé également par ce très bon moment. Donc, c'est top. On a plusieurs options pour ce qu'on peut faire ou pas. On peut soit regarder les visages, les regards à travers les âges, donc avec peut-être la partie des personnes âgées. Oui, c'est ça, on nous a demandé un peu les personnes âgées. Personnes âgées, d'accord. Je vais vous montrer quelques exemples. Personnellement, c'est une chose que je préfère dessiner, c'est le visage des personnes âgées. Non seulement parce qu'en général, c'est des visages qui racontent une vraie histoire, qui sont extrêmement expressifs et qui sont aussi...
pour les personnes qui débutent en illustration, qui sont assez, que je trouve assez abordables, assez faciles à dessiner, parce que comme les traits et les rides en général sont assez marqués, ça donne beaucoup de points de repère, c'est un point de vue très pratique, mais pour arriver à dessiner des expressions et à rendre un visage réaliste. Donc on va regarder quelques exemples. Alors, on va revenir. Voilà. Donc ça, je vais vous donner juste un exemple d'un portrait que j'ai réalisé donc d'après une photo. Donc d'après, c'est vraiment d'après une photo que j'ai trouvée sur Internet. Donc ce n'est pas un dessin original, que c'est important à préciser, donc d'une personne âgée. Donc voilà, avec cette idée que dans le regard, et c'est surtout ce que je trouve génial dans les dessins des personnes âgées, c'est que malgré le poids des années sur les rides, sur les visages, le regard en général garde de toute la force et la même intensité. Et en fait, donc ce qu'on va voir, c'est que même si voilà les parties autour du regard, les sourcils, les paupières supérieures et inférieures, donc évidemment n'ont pas leur même élasticité, le regard lui reste le même. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le dessin des personnes âgées. Ça, c'est un premier exemple. Voilà, pareil pour un exemple d'une photo que j'ai trouvée sur Internet d'un homme. Voilà, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que encore plus que des dessins de personnes d'âge 20, 30, 40 ans, les personnes âgées en fait ont vraiment des visages vraiment uniques, beaux, magnifiques, je trouve, et je trouve ça hyper intéressant de les dessiner. Donc, je vous propose qu'on essaie de dessiner un de ces regards. Alors, ce n'est pas forcément lié à la photo. Vous pouvez, si vous voulez, vous servir cette photo en référence ou simplement de votre imagination. Alors, on va prendre un crayon type B ou B ou 2B. Alors, est-ce que je vais tourner la page ? Je vais tourner la page. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre notre bonne vieille grille 4x4. Voilà. Et donc, quand on va regarder, donc, ce qui est intéressant, c'est toujours ce que je vous invite à faire, ce qu'on parle beaucoup dans le cours, c'est qu'une grande partie du dessin est une question d'observation. C'est-à-dire que même au-delà des capacités techniques ou de la pratique, c'est dommage parce que c'est quelque chose qui est en général un petit peu négligé. Une grande partie du succès d'un dessin et d'un portrait est liée à l'observation, c'est-à-dire avant même de prendre un crayon, de prendre le temps d'observer et d'observer ce qui fait qu'un dessin et qu'un visage est unique. Donc ici, ce qu'on va voir par exemple sur ce visage, donc pour les personnes âgées, c'est que vous voyez ici la ligne, toujours la ligne de la paupière supérieure, ici, donc qui est bel et bien là, avec notre, ici, même ici, ça met encore plus visible, avec notre partie lacrymale ici, donc avec notre courbe, comme d'habitude, inférieure et supérieure, mais en revanche, ce qui va vraiment donner l'idée de la vieillesse, c'est la peau distendue derrière la paupière. Donc c'est cette partie-là qui va redescendre sur la paupière. Et c'est donc ça qui va nous aider à transcrire les rides avec un mouvement. Je ne sais pas si vous voyez là, les petites rides qui partent quasiment à l'horizontale ici, donc sur l'intérieur de la paupière, et à l'extérieur ici de la paupière. Et donc c'est ça qui va nous donner l'idée d'un visage plutôt âgé. Et puis ensuite sur la partie inférieure, cette idée que la paupière inférieure, en fait, la peau se détend et du coup crée ces espèces de strates, c'est pas un mot très joli, mais qui donc on va essayer de retranscrire par sur le dessin. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est on va reprendre nos proportions habituelles, donc avec la partie lacrymale ici. On va revenir ici. Voilà. On va simplement commencer par créer le regard naturel. Par contre, ce qu'on va ajouter en plus, ici au-dessus, c'est donc cette idée de la peau qui vient par-dessus.
qui repart, voilà, qui part quasiment. Donc comme on disait ici, avec quasiment à l'horizontale ici. Voilà. Donc on reprend ici la partie lacrymale. Accentuer un petit peu. Encore une fois, ne cherchez pas à faire des rides régulières. Plus elles seront irrégulières et plus elles seront réalistes. Donc si vous voyez partir ici des rides un petit peu dans tous les sens, c'est plutôt normal et plutôt bien. Par contre, le regard, lui, on a toujours notre pupille, notre iris, et toujours cet éclat dans les yeux. Voilà, donc ça c'est pour la partie supérieure. Et ensuite, pour la partie donc inférieure, alors cette idée que vous pouvez commencer à créer simplement, ce que je vous conseille, c'est ne faites pas forcément des traits droits, mais faites des espèces de, comme des espèces de petites vagues, parce que ces vagues en fait vous serviront de, comment dire, de point de repère pour ensuite faire partir toutes les petites rides qui partent ici sur les côtés. Vous pouvez mixer un petit peu les sens également. Voilà. Ici également. Voilà. On peut même rajouter ici le côté du nez. Voilà, ici, ici, voilà. Alors simplement, ce qui va nous donner un peu plus de cette idée de rendu d'un visage un peu plus âgé, c'est donc que cette partie ici va être va descendre un petit peu plus sur l'iris. Ici, on va garder la lueur toujours. Et donc ensuite, c'est intéressant, si vous regardez le mouvement, donc le mouvement des rides, donc vous avez ici sur le côté les rides qui descendent quasiment à l'horizontale et ensuite ici. Voilà, de cette manière. Donc on a des sourcils un petit peu plus en bataille. Voilà. Donc alors on peut passer des heures sur un regard d'une personne âgée. On sent que t'aimes particulièrement ça. Ouais, je suis très fan, très très fan. Je trouve que c'est des sujets les plus intéressants à dessiner. Et vraiment on pourrait passer vraiment beaucoup de temps sur chaque visage. Parce que en fait, quand vous allez regarder, et c'est vraiment ça, je pense que des choses qu'on peut retenir de ce soir, c'est que quand on va dessiner un regard ou un portrait, ne commencez pas par le détail, le détail pour aller vers le général, mais commencez du général pour aller vers le détail. Ce que je veux dire par là, c'est que commencez par les grandes formes, les grands volumes, donc avec le rendu des ombres sur les grands volumes, et ensuite seulement aller vers de plus en plus de détails. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire l'inverse, mais vraiment essayez de vous y tenir parce que ça va vraiment vous aider à progresser pas à pas. Et si vous avez allé dans les détails trop vite sans avoir maîtrisé les parties générales, le dessin va être compliqué. Et là, c'est vraiment le cas pour les dessins de personnes âgées, où vraiment on peut très vite, très très vite aller dans le détail. Même là, j'ai commencé à aller dans le détail de certaines des rides secondaires, voilà, alors qu'on n'a même pas terminé la forme générale. Mais quand on dessine une personne âgée, vous voyez, si vous regardez, commencez à zoomer sur certaines parties de ce visage-là, vous allez voir qu'on peut dessiner vraiment une infinité de détails.
Simplement, peut-être un dernier mot sur, donc, sur les rides, parce que c'est quelque chose qui est, que vous allez probablement voir assez souvent dans vos dessins, de, quel que soit le sujet que vous dessinez. Quand vous dessinez chaque ride, en fait, il faut vraiment la considérer par rapport comme un volume, donc avec, en réfléchissant à voilà, d'où vient la lumière. Donc, par exemple, si ici, on va dire que votre lumière vient, votre source de lumière vient d'ici, ça veut dire qu'ici, les rides, cette ride-là que j'ai dessinée, la partie inférieure ici donc sera ombrée. Je ne sais pas si on voit ici parce que c'est relativement petit. Je pense qu'Alban peut faire des miracles et nous montrer des détails. Mais disons que l'idée, c'est que quand vous allez construire vos rides, vous allez les construire de la même manière que l'on construit n'importe quel volume, c'est-à-dire que le dessous va être sombre, et plus vous allez aller en dessous, plus ce sera sombre, et plus vous allez vous rapprocher de la source de lumière, donc d'ici du dessus, cette zone ici, plus vous allez laisser blanche. Et c'est vraiment comme ça que vous pouvez construire vos rides. C'est comme vraiment des volumes et pas comme un ensemble de lignes. Mmh. Donc voilà pour le regard de personne âgée. Le regard de personne âgée, oui, qui donne envie de, comme tu disais, d'y passer du temps. Oui, exactement. Est-ce que vous voulez qu'on regarde quelques dessins? Oui, ouais. Je crois qu'il y a... Bon, justement, on a demandé sur YouTube et Facebook où elles en étaient. Il y en a beaucoup qui sont justement en train de travailler sur les yeux âgés. D'accord. Et du coup, on a reçu, je crois, quelques autres. D'accord, super. Qu'on n'avait pas vu. Eh bien, vu. Allons-y. Donc déjà, allons-y. Regardons où on en était. Ton thé ne doit plus être très chaud. Tu me dis à tout moment si tu veux que je te remette de l'eau chaude. Mon thé est... Non, c'est très bien. T'inquiète pas, merci. Aurélie, ben merci pour ton message, Aurélie. C'est très sympa. Et tant mieux si ça vous plaît. Ben super, bravo. Bravo pour le dessin. J'aime beaucoup les proportions. Je trouve que les proportions sont très, très bien rendues. Donc, l'iris, la pupille qui est centrée. La paupière supérieure qui est très, très régulière, donc bravo. J'aime beaucoup aussi la manière dont vous avez voilà, rendu le dégradé sur des valeurs sur la paupière supérieure, donc ça c'est super. Voilà, ce que je vous invite à faire, c'est que je pense que vous êtes arrivé à estomper un petit peu plus donc sur la paupière supérieure, donc le rendu est super. Continuez avec le même type de rendu peut-être dans la partie, dans le blanc de l'œil, pour rendre voilà, un espèce de rendu un peu plus homogène. Et puis, sinon, ce que je vous conseille aussi, alors je ne sais pas si je l'ai expliqué de manière très claire, mais quand je vous ai expliqué que donc quand on regarde de face un œil, que l'on voit en fait le rebord intérieur des paupières, alors oui, on le voit bien sûr, mais par contre, ici, ce que vous avez... Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'en fait, il faut quand même qu'on ferme les paupières qui se rejoignent, donc l'extérieur des paupières se rejoignent, et donc il faut qu'on ferme cette partie-là, et c'est ensuite la partie au-dessus qui est donc la paupière que vous allez ombrer sur les côtés. Voilà, là, on a l'impression que, donc sur ce dessin, par exemple, ici, que la partie donc intérieure des paupières en fait se prolonge sur la paupière. Donc voilà, simplement refermer donc le trait là ici, donc que vous avez ici, tirez-le jusqu'au bout et refermer donc la paupière. Voilà, sinon super. Si tu veux, je me mettrai là quand tu pour t'éviter de revenir à chaque fois. Pardon, j'ai mis plusieurs minutes à m'en rendre compte. Valérie. Bravo. Très très beau dessin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, Valérie. Je trouve qu'il y a une très bonne balance, enfin une très bonne équilibre des valeurs. J'aime beaucoup le dégradé sur la paupière supérieure. Et aussi le fait que vous avez accentué donc ici cette partie, cette partie supérieure. Je trouve ça très bien rendu. Finalement, très peu de choses à dire, donc je pense que voilà, c'est peut-être une première question de temps. Donc simplement rajouter les cils sur la partie. Vous pouvez rajouter les cils sur la partie inférieure, et vous pouvez également peut-être si c'est donc évidemment un œil de femme, peut-être même avoir des cils un peu plus fournis sur la partie supérieure. N'hésitez pas vraiment avec nos paquets de cils. C'est vraiment
c'est vraiment, c'est vrai qu'au début on hésite à en mettre beaucoup, mais n'hésitez pas à en mettre parce que ça rendra vraiment, ça redonnera l'intensité à votre regard. Voilà. Non, super, super. Ouais. Marion Gjula, bravo, merci de nous avoir envoyé le dessin. Alors, j'aime aussi beaucoup le. Je trouve qu'il y a vraiment des très belles courbes de paupières dans tous nos dessins. Donc super. Bonne proportion de l'œil. Très très bien rendu. Alors ce que je vous conseille, alors peut-être que je ne sais pas si c'est une question de temps, de rajouter ici une ligne, la ligne en fait qui est la ligne de la du fond de la paupière en fait, qui est important parce que ça va vous donner l'idée du volume. Donc si vous tracez cette ligne et créez un dégradé sur cette ligne, ça va vous permettre de faire ça. Et ça va vous permettre aussi de créer un autre dégradé qui est ensuite sur la partie supérieure de l'arcade, je pense, l'arcade sous cire, que vous pouvez réaliser. Sinon, non, très bien. Peut-être le... Alors, c'est toujours compliqué, mais si vous pouvez également... donc cette partie-là, comme on le disait, donc la partie blanche, c'est vraiment la partie de l'œil qui sera la plus claire, de même que le highlight, comme on l'appelle, qu'on va laisser ici sur la partie lacrymale, puisque c'est donc une partie qui est tout le temps mouillée, donc qui brille. Et il y a aussi une troisième partie dont on n'a pas parlé. Vous pouvez également, il y a une troisième partie, vous pouvez rajouter donc du brillant. C'est aussi donc sur la tranche inférieure de la paupière, parce que c'est pareil, c'est une zone qui est toujours humide, donc elle brille. Donc n'hésitez pas à rajouter ces termes brillants. Et là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, en termes d'équilibre, cette partie-là, le blanc de l'œil a l'air plus blanc et l'intérieur ici a l'air quasiment plus blanc que cette partie-là. Donc simplement, si vous pouvez peut-être ajuster ça, mais sinon, très bien. Alors. Colère. Ah, donc là, on rentre dans les émotions. Super. Bravo, Amélie. Bravo. Donc j'aime beaucoup le mouvement de... Le mouvement qui est très marqué de la colère. Ouais, très bon rendu, très très bon rendu. Ouais, on sent bien le mouvement. Très peu de suggestions, peut-être simplement. Peut-être. Alors je comme on dit tout à l'heure, quand on fait la colère, les yeux en général ont tendance à être un petit peu plus fins, donc l'ouverture des yeux est un peu plus fine. Alors, mais peut-être que là on est un tout petit peu long en termes de, voilà, de longueur de l'œil. Peut-être que l'effet sera accentué si vous gardez la même hauteur d'œil, mais par contre vous réduisez la largeur. Et puis n'hésitez pas à faire en sorte que cette partie au-dessus de la paupière ici, quand vous allez froncer l'œil, donc je vais vous montrer, je ne sais pas si ça va voir, en fait, elle va vraiment venir au-dessus de la paupière. Donc quasi, elle va cacher la paupière. Donc n'hésitez pas vraiment à cacher la paupière ici, à vraiment faire descendre ici ce muscle qui vient se froncer. Jean-Frédéric. Donc là, je pense qu'il y a eu un travail sur la colère et un premier travail sur l'œil réaliste qui est superbe. Bravo. Très, très beau travail sur les deux. peu de choses à dire sur l'œil réaliste. Je trouve qu'il est... J'adore le rendu. Alors, ça peut quasiment être... C'est un signe qui est un peu différent, mais qui est top, qui fait que là, on a vraiment l'impression que l'iris et la pluie ressortent parce que le tour est blanc. Donc, c'est l'effet, je trouve, est très sympa et vraiment super. Donc, très, très beau rendu. Simplement, peut-être la même remarque. Alors, je pense qu'on l'aperçoit peut-être en arrière-plan. Je ne sais pas si c'est une question de temps, mais peut-être marquer un peu plus le haut de la paupière supérieure. Donc, voilà, qui permet vraiment de finir l'œil. Et puis, la deuxième remarque. Alors, ça peut être aussi un choix, hein, ce qui est tout à fait... qui est super aussi, mais là donc ici vous avez donc le bas de la paupière qui est très très noir, donc tout le pourtour même est très très noir ici. Alors s'il y a beaucoup de maquillage, ça peut être le cas bien sûr, mais sinon peut-être je marquerai moins le bas de la paupière ici pour justement avoir cet effet de contraste avec le haut de la paupière supérieure. Et pour la colère, très bien, super.
Super, très très bon rendu. Peut-être la seule remarque, c'est peut-être de rendre cette partie un petit peu plus fluide, légèrement plus fluide, mais sinon non, très très bon rendu. Donc super, bravo, bravo Jean-Frédéric. Je suis impressionné, top. Clotilde, merci pour votre message, Clotilde. Super. J'aime beaucoup. Alors, bravo pour le dessin, donc très bonne proportion. Pareil, donc voilà, on a une hélice qui fait un tiers de la taille de notre œil. J'aime beaucoup. Alors pour le coup, les cils, voilà, en bataille, faut y aller, quoi, vraiment, nos paquets. On réveille. Nos paquets en bataille, allons-y. Et puis, ouais, très bon rendu. Donc, même remarque que précédemment pour Frédéric. Simplement, peut-être cette partie-là, un petit peu trop foncée, un petit peu trop marquée. Parce qu'encore une fois, alors, c'est pas un truc personnel, mais ça, c'est la partie, je trouve, la moins intéressante de l'œil. Ici, la partie lacrymale, donc c'est pas vraiment la partie qu'on veut mettre le plus en avant. Et puis, peut-être, alors j'imagine, ça fait partie de la pratique de l'estompage. Peut-être que je ferais ressortir un tout petit peu plus l'iris par rapport à cette zone grise ici. Mais c'est voilà, ça viendra probablement avec la pratique. Mais donc, très, très bon travail. Caroline. Alors, travailler sur la surprise. Très bien, super. Bah, j'aime beaucoup. On voit la surprise. On ne peut pas douter. Très, très bon rendu. Pas grand-chose à dire. J'aime aussi beaucoup votre la forme de votre œil. Je trouve que voilà, c'est un très bon rendu de l'œil. Voilà, je pense que alors ce qui peut être sympa aussi avec la surprise, c'est n'hésitez pas donc à continuer votre dessin, Caroline, parce que je pense que ça vaut le coup de l'ombrer, de vraiment de travailler un peu plus sur les ombres, parce que vous allez encore plus faire ressortir la surprise, par exemple en vraiment ombrant sur le côté du globe oculaire ou le côté des paupières, parce que du coup l'iris va vraiment jaillir de votre dessin, donc n'hésitez pas. Très très bon dessin. Super. Oh là là, mais ça ne s'arrête. Wow, super. Isabelle la colère, oui, qui nous disait d'ailleurs qu'elle travaillait sur la colère. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a une intensité aussi. Ouais, c'est très intense. Donc, ouais, très bon rendu. N'hésitez pas à le marquer vraiment pour la colère. C'est là où on peut se faire plaisir, quoi. On peut vraiment se faire plaisir pour vraiment exagérer l'expression. Donc, n'hésitez pas à rajouter encore ce muscle qui se fronce. Vous pouvez également rajouter, je vois que vous l'avez mis en bas, là, donc sur cette ligne là, cette ligne qui part. N'hésitez pas aussi à en créer plusieurs et à les marquer, c'est espèce de plissement d'yeux qui partent vers l'extérieur. Et puis simplement une petite remarque, n'hésitez pas non plus à faire tirer un petit peu votre sourcil vers l'extérieur, parce qu'ici il s'arrête un tout petit peu tôt. Alors que si vous regardez en fait le sourcil en fait va au-delà de l'extérieur des yeux, donc n'hésitez pas. Ce que je te propose, c'est qu'on passe un tout petit peu plus vite sur les dessins qui restent, parce qu'ils sont très nombreux et on ne sait pas comment vous remercier. D'accord, ok. Mais non, c'est non, juste c'est, pour préserver ta voix dont je non, sens non, qu'elle tout, disparaît. Je suis dopé au thé, donc tout va bien pour la fin de la soirée. Bon, alors prends le temps que tu juges nécessaire. Non, mais Céline, super, super travail. Je vois que vous avez utilisé un grain de papier relativement fort, donc ce qui je trouve plus dur en fait pour quand on dessine que du papier plutôt fin, donc vraiment bravo. J'aime beaucoup les proportions. Donc je pense que c'est voilà, et simplement peut-être continuer à travailler sur les dégradés des couleurs, peut-être simplement pour équilibrer un tout petit peu entre la partie intérieure et extérieure en termes de rendu du dégradé, donc du blanc de l'œil. Les cils, voilà, ça, donc les cils dans tous les sens, c'est parfait. Et puis pareil, le dégradé aussi, continuer à travailler sur le dégradé à l'intérieur de l'iris. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais il y a quelque chose qui souligne beaucoup un regard, et notamment un regard de femme, c'est en fait la manière dont vous allez
teinter la paupière inférieure. Et en fait, comme la paupière inférieure en fait souligne le globe oculaire, c'est toujours intéressant de vraiment de marquer le dessous de la paupière. Ça souligne vraiment le regard et ça l'intensifie. Donc n'hésitez pas. Caroline, la colère. Super. Ouais, j'aime beaucoup. N'hésitez pas donc très très bon rendu. N'hésitez pas à le marquer encore plus. C'est-à-dire, je ne sais pas quel crayon vous avez utilisé. Mais peut-être avec des crayons même un peu plus gras encore. J'imagine que c'est plutôt vous avez utilisé probablement, j'imagine, du 2B ou du 4B. Donc n'hésitez pas à aller même vers du plus gras. Mais très très bien. Laetitia. Super. J'aime la forme en fait, la forme de l'œil. Un peu plus rond. On a l'impression que l'œil est un peu moins allongé que celui qu'on a dessiné, mais très très bien. J'aime le dégradé au-dessus de la paupière. J'aime beaucoup. les sourcils, les cils aussi sont très bien rendus. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment évoqué beaucoup, mais c'est que quand vous allez ensuite, on a un peu laissé cette bande ici un peu pas à l'abandon, mais disons qu'on s'en est pas très occupé. Donc la partie donc inférieure du rebord de la paupière, mais c'est en fait cette bande va être, on va la coloriser en fonction de la lumière. Donc c'est-à-dire que si vous avez par exemple la lumière qui vient ici, cette partie-là sera éclairée, mais celle-là sera un peu plus dans l'ombre. Donc ça, pensez-y. Donc ça me fait juste, c'est pas un commentaire spécialement pour vous Laetitia, mais ça m'y fait penser parce que voilà, c'est aussi une partie qui est soumise à la lumière, donc il y aura pareil des jeux d'ombre comme pour les autres. Francisca. Waouh, superbe. Là aussi sur un grain un peu plus fort. Ouais. Je pense que Francisca, on n'est pas à son premier dessin. Ouais, non, je pense pas non plus. Donc bravo, super rendu. J'aime beaucoup je trouve le regard très intense. Et encore une fois, ce qui est super, c'est que voilà, cette intensité, en fait, elle retranscrit par la différence, le contraste entre vraiment le blanc du milieu, cette petite zone blanche, je trouve. Et l'iris très très sombre et la pupille très très sombre aussi, donc super. C'est plus facile de dessiner des yeux qui avec des tons clairs parce que vous allez avoir plus de contraste dans la couleur. Ça sera plus facile. Voilà, donc c'est plus facile de retranscrire ce contraste. Alors que quand on dessine des yeux comme ça plus foncés, c'est plus difficile, parce que c'est plus subtil de montrer le dégradé. Donc bravo Francisca. Super. Le dernier que j'ai, donc la colère, donc là on n'a pas de nom. C'est le dessin inconnu. le dessin inconnu. Bravo. Mais il valait quand même le coup d'œil. Ouais, exactement. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup notamment les marques que vous avez, donc les marques des petites rides que vous avez en dessous de l'œil, donc bravo. Ça c'est super. Et puis encore une fois, n'hésitez pas, donc dans cette forme de l'œil, a vraiment, vraiment, vraiment accentué cet angle-là, parce que c'est là où vous allez vraiment avoir un angle qui appelle la colère. Et plus cet angle sera marqué, plus on va passer de la colère à l'extrême, la furie, et voilà, d'autres sentiments un peu encore plus extrêmes. Donc voilà. Et je crois que c'était mon dernier dessin pour de la série. Donc bravo à tous. Je suis vraiment impressionné par les qualités des dessins, et surtout en si peu de temps. Oui, vous les avez réalisés aussi en direct, et c'est vrai que voilà, enfin la démonstration est faite que même quand on n'a pas l'habitude de dessiner, on obtient vite des résultats qui sont encourageants. Et de toute façon, c'est pas grave si ce qu'on disait au début, si l'œil n'est pas parfait, si vous échouez, si Et c'est vrai que ce que tu disais aussi, c'est que c'est le plus important du visage presque, c'est le plus difficile. Donc vous n'avez pas commencé par, vous n'êtes pas entré par la petite porte dans le dessin réaliste. Exactement. Mais oui, je te l'ai dit tout à l'heure, mais comme ça a été beaucoup dit, je te le redis, puisque mon rôle c'est un peu de te transmettre ce qui se dit aussi. Beaucoup de gens t'ont découvert ce soir et ont été... Sous le charme de ta façon d'enseigner, donc merci. Je te le dis. Merci beaucoup.
Je pense qu'on aurait pu continuer toute la nuit, mais peut-être que ta voix y serait passée à la fin. Je pense qu'on a fini avec une version muette du coup. Donc on va pas tarder à vous laisser. Pour celles qui me le et ceux qui me... Parce qu'il y avait quelques hommes beaucoup plus que d'habitude ce soir. Quand on fait de la couture, il y a... Sans être du tout stéréotypé, au contraire. Non, mais ne soyons pas. Mais là, on est content, justement, que ça, la mixité arrive. Donc, merci. Donc, ceux qui nous redemandaient le code promo, c'est Regard en majuscule 2020. Je pense qu'on va aller se coucher, parce que je crois que demain, tu enquilles à nouveau pour un autre cours. Avec grand plaisir. On tourne dès demain. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on vous laisse évidemment avec la bande annonce du premier cours que tu as animé chez Artisane, donc sur le dessin réaliste qui vous permet justement d'aller plus loin et d'envisager l'ensemble d'un visage, donc au crayon. Beaucoup de gens ont dit qu'ils allaient se remettre au dessin après avoir fait cette masterclass. On ne peut que vous y encourager. Et on espère vous retrouver très vite. D'ailleurs, peut-être pour une autre masterclass. Avec grand plaisir. Sur le prochain thème. Sur le thème du dessin digital, qui sait. Marche. À très bientôt, et merci encore et merci pour vos dessins. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Vincent, votre professeur de dessin chez Artisane. Dans ce nouveau cours, je vais vous apprendre à dessiner un portrait réaliste au crayon. Je vais vous expliquer les proportions et les ombres et lumières. Nous verrons ensemble toutes les étapes pour construire votre portrait de A à Z. Je vous proposerai tout au long du cours des exercices pour pratiquer vos nouvelles compétences. Ce nouveau cours est accessible en illimité, quand vous voulez et où vous voulez. À vos portraits, et on se retrouve très bientôt sur artisane.com.